Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau live sur la chaîne Barbatronic, live numéro 31. Je suis ravi d'être à nouveau là ce soir et je vois qu'il y a déjà des gens qui sont un peu perdus parce qu'ils sont aussi sur YouTube. Je vais y revenir dessus, mais là ce soir on sera que sur Twitch. Déjà bonsoir Rosalinde, bonsoir Alf, bonsoir le compteur il dit 20 secondes. Oui, bah écoute, je ne suis pas en retard. salut Julien, salut Mortality16. Ah, Mortality16, pas l'habitude, Mortality16. Alf, non, ok. Salut Fancaribou, bonsoir à toutes et à tous. Roger Shins, alors salut Roger Shins, tu dois être sur YouTube. Mortality16, c'est lui. Ok, d'accord, ça marche. Écoutez, vous avez dû le voir si vous me suivez sur Twitter ou sur Discord ou sur tout le reste, c'est que ce soir et à partir de maintenant pendant un certain temps, les lives ne seront plus que sur Twitch. Alors on va parler de ça dans le récap et je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. Tu es pile à l'heure, bravo. Merci. Et en fait, le compteur, ça aide pas mal. C'est-à-dire que je mets le compteur à 59, et du coup, ça me force. Tu vois, je me dis pas, bon, attends, quand est-ce que je me lance, etc. Non, c'est un peu comme le lever de rideau, tu vois. Tu sais que ça va se lancer à ce moment-là. Faut que tu sois prêt, c'est parti. Du coup, ça m'aide vachement. Alors, du coup, hop, le récap de la semaine. Alors, le récap de la semaine, déjà, les informations, alors, bonjour les informations, je vous préviens, je suis un petit peu en forme là ce soir, oui au moins tu fais pas comme les compteurs des phases finales de la CD, qui sont rebouclés, alors, voilà, première information, désolé pour ceux qui m'attendent sur YouTube, je vais peut-être même déjà mettre un petit message, mais... Tiens d'ailleurs, comment ça se fait que... Vous allez sur le live. Live 2. Ouais. Il y a un restream qui est là. Ah, il y a restream qui fait chier. Et ouais, voilà. Alors du coup, le problème, c'est restream. Bonsoir. Live sur Twitch ce soir. Ah. Et je vais donner le lien. Ouais, il y a... Alors... Désolé, il va falloir qu'on le fasse. Le temps que ça se lance. Voilà. Voilà. Explication. En live. Nickel. Alors. Zoom, ma chaîne. Alors, pendant ce temps-là, il y a des gens qui arrivent. Rebel Croupi, salut Rebel Croupi. Alors, le problème que j'ai eu là cette semaine encore, c'est Restream. Alors, si vous savez pas comment ça fonctionne, c'est que depuis quelques temps, vous savez, je stream avec YouTube et avec Twitch en même temps. Et je fais ça avec une plateforme qui s'appelle Restream. Voilà, qui permet de faire ça sur plusieurs... Merci. Sur plusieurs plateformes de streaming, vous pouvez faire ça avec Mixer, vous pouvez faire ça avec Facebook, etc. Donc voilà, Restream, c'est ça. Et le problème, c'est que Restream, en fait, fait ma fusion des chats également. Et le problème, c'est que en faisant cette fusion des chats, il y a souvent des problèmes, en fait, que vous voyez pas parce que j'arrive à passer outre ou à régler ça, ou ça se règle avant le truc. Il y a juste un live qui a merdé et où j'avais pas le lien entre les channels. Et du coup, c'était chiant. Mais bon, voilà, du coup, c'est un service gratuit qui fait ça. Le souci de Restream, c'est que des fois, ça plante, des fois, ça marche pas, des fois, le flux, il est pas terrible. Donc ça, c'est vraiment pas une bonne chose. Salut King of Chouf. En plus de ça, il y a de la perte de visibilité sur les compteurs de ceux qui regardent, ceux qui regardent pas. Comme je suis sur plusieurs services en même temps, du coup, j'ai pas ces informations là. Du coup, je ne sais pas ce qui marche, ce qui marche pas. Donc, c'est difficile pour moi de continuer comme ça. Et en plus, je me suis rendu compte d'un autre truc, c'est que YouTube pour le live, en fait, est déjà pas super bien foutu. Que à la fin avril, fin avril, ils changent l'interface
l'interface, et l'interface avec Restream marche beaucoup moins bien. Salut Roger Chins. Ah, du coup, c'est bon, t'es passé sur, sur Twitch, c'est cool. Voilà, du coup, voilà, il y a plein de soucis comme ça qui font me dire que je vais essayer de rester uniquement sur Twitch. Et en fait, vous aurez le résumé, ou en tout cas tout le live qui sera rediffusé sur YouTube par la suite, en petits morceaux. En tout cas, je vais essayer de le faire pour pas que ce soit indigeste. Et ça sera toujours sur la chaîne YouTube, ça changera pas. Voilà pour les infos, et puis on verra comment ça tourne. Si ça marche pas, ben on reviendra en arrière. Si ça marche, on restera comme ça. Bref, voilà, n'hésitez pas à me dire si jamais il y a des trucs qui vous vont pas. Bah oui, j'ai dû m'inscrire et tout et tout. Ouais, je suis désolé. Voilà. C'est je quitte YouTube, explication. Non, je reste sur YouTube, mais franchement, YouTube pour le live, c'est... Ça met pas en avant les gens qui font du live, ça leur amène pas des nouvelles personnes. Il y a plein de difficultés en fait à vouloir faire un truc propre avec YouTube que t'as pas quand tu fais du Twitch. Un bon titre putaplic. J'ai pas utilisé ce titre. Donc bref, voilà, c'est un peu con, je le regrette, mais et puis bon, les sociétés, on est quand même sur des sociétés privées, hein, Twitch est concurrente, Twitch et YouTube. Donc du coup, il y a des trucs qui sont pas possibles cross plateforme. Bon, bref, ça marche pas comme il faudrait, quoi. La raison numéro 3 va vous surprendre. Et je sais pas, je suis embauché par Twitch. Non, je déconne. Absolument pas. Du coup, voilà pour cette petite explication. Autre, c'est juste qu'à quelle heure ce soir, mais jusqu'à ce que mort s'en suit. non, je pense que ça sera pas trop tard. Je dis ça, mais bon, si je fais comme d'habitude, ça va être encore très long. Le principal, c'est le live. Merci. Effectivement, le principal, c'est le live de la mort. Alors, autre information, go devenir partenaire Twitch. Alors, figure-toi que je peux être affilié Twitch. Le souci, c'est que pour être affilié Twitch, il y a des trucs à remplir. Et je veux le faire au nom de mon association, au nom des Caribous, pas en mon nom propre. Et donc, du coup, je suis en discussion aussi pour savoir si c'est faisable ou pas, en fait. Donc, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Pour ça, voilà, un petit moment de flottement et on verra bien, quoi. Mais j'aime pas trop cette web TV. Alors, autre information, boum, deuxième information, c'est le Discord. Très rapidement, j'ai créé un Discord il y a 2 jours, en lien véritablement avec la chaîne. Il y en a certains qui... c'est encore vivant le live. Ouais, c'est encore vivant. Ça fait encore des trucs. Il y en a certains de vous qui sont déjà dessus. Du coup, on a pu faire un petit before avant ce live. Donc, c'était assez rigolo. J'ai pu récupérer des liens, en fait, pour faire ma vidéo de ce soir. Donc, du coup, bah voilà, c'est chouette. Donc, si jamais vous voulez discuter entre les épisodes, entre les lives, échanger aussi sur ce que je fais et sur ce que vous faites, et voir un petit peu ce qu'on peut s'échanger comme information, et ben du coup n'hésitez pas, je vous mets le lien hop ici, boum, le bon lien d'invite, ce coup-là. N'hésitez pas à y faire un tour, à discuter, et chose que je ne ferai pas ce soir parce que j'ai pas réussi techniquement à le faire correctement, c'est que je pourrais laisser la possibilité, quel colique se barbe, il fait des biffants. Et before au café, figure-toi. Vous aurez la possibilité en fait de prendre la parole sur le live. En tout cas, c'est ce que j'aimerais bien faire. Et je pourrais aussi avoir la possibilité d'avoir des invités sur mes lives. Le truc, c'est que je dois régler deux trois petits soucis de son, de réglage son sur mon live pour que ça fonctionne bien. D'ici la semaine prochaine, j'espère que ça sera réglé. Et donc, on aura la possibilité de faire ça. Et ça va être quand même relativement chouette. Allez, autre information. Et ben, du coup, hop, ça, je pense que pour ceux qui font la Coupe de France de robotique, vous le savez, c'est le décalage. Tu veux le numéro de Laurent Garnier pour l'inviter? Ah, ça serait rigolo. C'est le décalage de la Coupe de France de robotique. C'était un petit peu... On s'en doutait tous un petit peu quand même que ça allait être modifié, en tout cas décalé. Ce qui est intéressant quand même, c'est les dates qui ont été annoncées, donc du 8 au 11 juillet 2020. Ça veut aussi dire que... Il y a des dates qui ont été reportées, notamment sur le dépôt du poster, sur le dépôt de l'adhésion, etc. Donc du coup, tout ça, c'est bien, il y a eu un décalage.
Mon sentiment personnel, c'est que bon, de toute façon, il n'y a aucune date qui aurait pu contenter tout le monde, ça c'est clair. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de date miracle, à savoir, il n'y a pas une date qui aurait contenté à la fois toutes les équipes, toutes les écoles, ben Orion aussi pour pouvoir faire le et puis louer la salle, voilà, Planète Science qui doit avoir aussi des dates à eux qui sont importantes. Bref, tout ça n'aurait pas pu. Comment dire, se passer bien pour tout le monde. Ce sont des dates. Moi, la problématique que je vois, c'est que c'est quand même très proche de nous et très proche de la situation qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est-à-dire le confinement. Et j'ai un peu peur qu'en fait, ben, tout simplement, ces dates-là, elles soient pas, ou elles soient maintenues, mais qu'on soit pas beaucoup. Et à vrai dire, même moi, je me pose un petit peu la question de est-ce que j'ai envie, de manière, voilà, très, enfin, de manière très courte, c'est dans pas très longtemps en fait, dans pas très longtemps, de me retrouver alors que j'ai été confiné pendant 3 semaines et que je serais peut-être encore confiné pendant 3 semaines là, avec 800, 1000 personnes dans un même endroit. Enfin voilà, je sais pas, moi il y a une petit sentiment d'insécurité sur ce truc-là. Maintenant, bon, voilà, c'est des dates. Si ça peut se faire, bon, ça sera vraiment très chouette. C'est vrai que je suis, voilà, moi, je suis moyen rassuré et j'ai vraiment peur que sur la manière dont on gère les crises, que bah on soit pas encore en confinement ou encore dans une situation de restriction à ces dates-là. Et voilà. En tout cas, c'est chouette d'avoir eu des nouvelles. C'est chouette qu'il y ait eu des choses qui se soient passées, qu'il y ait eu de reports sur certaines dates, etc. Reste à voir comment ça va se passer pour la suite, mais en vrai, j'ai envie de dire, c'est un peu partout et pour tous les structures, pareil, c'est un petit peu problématique. Moi, j'avoue, j'ai été surpris par le report. Moi, j'ai pas du tout été surpris par le report, honnêtement. Je pense que c'est une suffisamment grosse compétition pour ne pas. Enfin, c'est difficile de dire, bon, on annule complètement et on le fait la semaine l'année prochaine. Donc le report, je suis pas très surpris. La date aussi proche, je suis un peu surpris par contre. Tu pensais finir ton robot par pour mai. Que 16 équipes sur place et on fait que les phases finales. Ah bah oui, ça va aller vite, ouais. Au moins on a eu une date, on va dire. On a une date, oui, non mais on a une date. Écoutez, voilà, c'est une information, c'est tout. Maintenant, on l'a, il faut voir si ça va être maintenu ou pas, quoi. Ah, tu commences pas. Attention, on ne se bat pas dans le chat. Donc voilà pour le report de la coupe. Alors, avant de lancer le live et puis le travail, il faut penser à toutes les équipes qui ont investi dans la fabrication de la table. Bah oui, voilà. Enfin, il y a eu tellement d'investissements pour plein de structures pendant toute cette année que le report, je le comprends. Voilà. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est juste vraiment la date qui me semble trop proche, mais c'est peut-être, c'est vraiment personnel pour le coup, je pense. T'inquiète, je me tiens calme. Alors, deux trucs avant de commencer. Juste, voilà, une ancienne équipe de la coupe Robotips. Je mets le lien dans le chat. Voilà, on s'est recontacté vite fait par sur le Discord et ils ont remis en état leur projet. Si vous allez dans nos robots, le Swarm Tips 2, il y a toutes les informations. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, je trouvais ça chouette. Et ils ont un petit robot, allez, de 25 par 25 mm. Je trouve assez rigolo. Voilà, donc allez voir, c'est assez sympa ce qu'ils font et n'hésitez pas à regarder, à regarder les sources, etc. Bref, voilà, c'est une petite information de la soirée. Et l'autre information, c'est que je vous l'ai dit vite fait la semaine dernière, mais on est plusieurs à streamer sur de la robotique et notamment sur la Coupe de France de robotique. Une des équipes qui s'est mise à streamer il n'y a pas très longtemps, notamment, c'est CVRA. Non pas RCVA, donc CVRA, le club de robotique suisse, qui participe à la coupe, que vous connaissez très certainement, parce qu'ils ont un robot avec. Ils font deux robots similaires très souvent avec des bras. Ils s'appellent pas des bras d'ailleurs leur robot, je crois. Voilà, une équipe très sympathique et c'est vraiment voilà, c'est vraiment chouette qu'ils commencent à streamer et à partager ce qu'ils font. Donc n'hésitez pas à suivre leur chaîne et à aller voir bah, ce qu'ils. Voilà, ce qu'ils proposent. Là, qu'est-ce qu'ils ont fait récemment comme stream, que je dise pas de bêtises. Voilà, il y avait un premier live sur plutôt de la programmation, du debug de capteur de pression. Et alors là, ce que j'ai pas compris, c'est qu'ils passent du live 2 au live
4. Donc a priori, le prochain live, ce serait une routage de cartes sur Kikan. Il manque un live entre les deux, mais bon, on verra bien, quoi. 25 minutes, c'est vraiment petit, ça fait quoi? Bah, ça fait un... ça fait ça. ça en est un, cool, le site remis à jour de Robotips. Ouais, c'est vraiment, vraiment chouette. On a quasi un live par jour. On a quasi un live par jour avec toutes les équipes qui commencent à faire du live, et c'est vraiment chouette. Hier, il y avait le live de Alf, de l'équipe Goldorak. Un live mi-figue mi-raisin, hein, vous irez voir. Hein, y a eu un ascenseur émotionnel de conception pendant tout le live entre ça va être super chouette et ça marche pas. Et ah non, j'ai trouvé la solution et ça marche pas. Bref, ça arrive. Voilà, c'est ça la conception. Peut-être que ça sera aussi comme ça ce soir. On verra bien. Mais bref, ouais, on a un live quasiment chaque soir et c'est vraiment vraiment chouette. Alors, tuk-tuk. Écoutez, moi c'est bon pour le récap. Toujours pareil, voilà, je vous rappelle parce que j'ai vu des images de gens qui sortaient dehors, etc., qui se disaient, tiens, il fait beau, je vais sortir, faire une balade, etc. Non, on est en confinement, je vous le rappelle, pour faire en sorte qu'il y ait encore d'autres personnes qui profitent des beaux jours par la suite. On va essayer de rester chez soi, donc rester chez vous, bricoler, regarder des lives, mais surtout ne sortez pas, c'est important, voilà. Alpha Robaz. Ah, t'as mis ton. Tu as mis ton. Ah, super. Eh ben, merci, du coup, tu as mis ton live en rediff. Je pensais que t'allais le mettre demain, en fait. Donc, c'est impeccable. Donc, voilà, hop, live en rediff de Alf. Ouais, mais tu étais dehors. Mais tu étais dehors pour les voir se balader. Non, j'ai vu ça sur Twitter. J'ai vu des photos sur Twitter de ça. Et c'est assez fou, quoi, pour moi, je trouve. Salut, monsieur Hippo, d'ailleurs. Salut, monsieur Mopi, aussi. J'espère un terme Corona pour l'année prochaine. Alors, je dis pas que ça nous a pas traversé l'esprit. Bizarrement, je suis pas sûr que ce soit correctement reçu. Donc suivez l'équipe Goldorak aussi pour suivre leur live. C'est vraiment chouette. Hey, il y a toutes les rediffs, trop bien. Alors, eh ben écoutez, on va passer à la suite là. On va partir sur le vrai sujet du live ce soir. Et le vrai sujet du live ce soir, c'est la conception d'un micro-robot de combat. Alors, c'est parti. Zoom. Alors, je vais fermer tous mes onglets qui ne me servent plus. Voilà, alors ça c'est pour après. Voilà, alors. Petite info déjà, on va se mettre un peu de musique. Voilà. Alors, juste vérifier que tout se passe bien du côté de. Alors, désolé, je reviens sur ma webcam. Alors, le but aujourd'hui, ça va être de travailler sur un mini-robot de combat. Alors, mini-robot de combat, si vous suivez des lives, j'en ai déjà parlé, puisqu'en fait, j'en ai déjà présenté un, qui était un mini-robot de combat que j'avais créé pour les joutes de robotique. Alors, juste, je vous cherche le lien en même temps. Alors, toup-toup, oui! Voilà. Donc les joutes de robotique. Donc c'est un événement que j'étais censé organiser. Vous savez, voilà, 12 et 13 juin, qui vont être très semblablement annulés. Hein, on va pas se le cacher. C'était un événement avec des équipes de robotique, avec des assos et puis avec des écoles. Donc il y a très certainement à un moment où on va faire l'annonce la semaine prochaine que ça sera ou annulé ou décalé, je sais pas. Mais c'est pareil, c'est un peu comme la coupe. Je vois pas trop comment je pourrais faire pour décaler ça avec les écoles. Bref, les joutes de robotique, dedans, il y avait une nouvelle compétition qui était les combats de robots. Et donc, si on va voir sur le règlement, j'avais repris en fait un règlement comment dire, un peu simple et repris une partie du règlement de la Maker Fight que j'avais un petit peu mis à ma sauce. Et la dimension, j'avais fait une limite de dimension et de poids. Environ 800 grammes et puis aussi un périmètre. Voilà. C'était pour essayer de restreindre en fait les tailles des robots qui allaient participer.
Le problème, c'est que bon bah déjà cette compétition est pas sûre d'avoir lieu et on est en train de réfléchir aussi du côté de Maker Fight à avoir un sujet unifié avec plein de enfin avec des équipes pas internationales mais en tout cas qui soient hors France on va dire et notamment de travailler sur une traduction française du règlement de la FRA, du Fighting Robot Association, et d'essayer de faire correspondre les gammes des robots à ce qui se fait ici. Alors attendez, il se baladait tranquille dans la rue. Alors attendez, ouais, vous êtes fou là sur le chat. Moi j'ai engueulé des gens. C'est vrai que t'as envie d'engueuler des gens. Ah salut Romain. Ah, ben, j'ai fait votre pub juste avant que t'arrives. J'ai un commentaire, j'ai vu en visio, vu sa gueule. Restez chez vous bordel. Oui voilà, je veux rester chez vous bordel. C'est le hashtag que j'ai choisi pour mon tweet. Alors, il se baladait. C'est quoi la réponse à ma question? Ouh là, la question. Tu pourras commander les pièces du robot en Chine? Bah, je n'en sais rien. Ça, c'est vraiment un problème. Par principe, je ne commande quasiment plus rien, voire plus rien du tout en ce moment. En fait, il se baladait tranquille dans la rue à Saint. Non, mais c'est fou, hein, c'est fou. Ils sont pas tous d'accord pour le tome Covid qu'on va arriver. Ouais, robot virus. Non, non, on va pas faire ça. Ça va être trop bien un thème Corona, faut distribuer du PQ, ramener les gens qui vont dehors chez eux, voler les masques aux États-Unis. Mais il y a tellement de choses à faire. Il y a un jeu coronavirus en français qui existe. No fake, oh mon dieu. Jeu de robotique interfablable en décalé, ça pourrait se faire peut-être. Peut-être, je sais pas. Moi j'y réfléchis la semaine prochaine avec les collègues. Écoute, je vous donne des infos pour l'instant. Bon, bref. Comment vraiment en facecam? Ouais, plusieurs catégories à la Maker Fight. Alors non, pas plusieurs catégories à la Maker Fight, mais du coup, la Maker Fight, en fait, c'est vraiment des propositions. Hein. Pour l'instant, ils en sont aux propositions. Vous savez, la Maker Fight a été annulée. Et si on va voir sur les. Sur le règlement de la FRA, donc on peut trouver, vous allez dans Rules and Safety, Rules and Safety, et vous arrivez ici, boum boum boum, et ici vous avez toutes les choses à suivre. Alors ils ont plusieurs trucs qui sont plus ou moins intéressants, plus ou moins les mêmes informations, enfin bon bref, moi j'ai pris le Build Rules. Vous appréciez mon accent anglais. Je vais passer toute cette partie-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout les gammes de poids. Voilà. Et aujourd'hui, vous voyez, les joutes de robotique, nous, on était sur du 800 grammes et la Maker Fight était sur du 20 kilos. Et comme vous pouvez le voir, ça ne correspond à aucune des classes qui existe déjà à l'étranger. Sachant que là, c'est plutôt en Grande-Bretagne, et les classes en Amérique sont encore différentes, c'est-à-dire que le Antweight, il est à 450 grammes. Voilà. Du coup, maximum 150 grammes en Antweight, et en fait, ce qui se rapproche le plus, c'est 13,6 kg pour la Maker Fight, ou 30 kg. 30 kg, ça me semble énorme, parce qu'il faut des arènes qui sont très grosses. Le plus probable, c'est le 13,6 kg, mais pour l'instant, rien n'est fait. Et pour moi, en fait, c'est pareil. Si je veux me raccrocher à cette réglementation-là, eh ben il va falloir que je parte sur du handweight, en fait, du 150 grammes, parce que 1,5 kg, ça veut dire une arène relativement sécurisée. Voilà. Du coup, moi, dans mon idée, c'est peut-être pouvoir apporter le handweight un petit peu en France, parce que je n'arrive pas à trouver vraiment des gens qui en font un petit peu de manière régulière, etc. en France. J'aimerais bien avoir ça, apparaître dans les Fab Labs en France, et je me dis que se relancer dans une classe un peu grosse, genre du 1,5 kg, il y a beaucoup de labs ou de makerspace, etc., ou qui trouveraient peut-être ça un petit peu trop compliqué ou pas possible de faire avec des gamins. Et le handweight me semble un peu plus léger, un peu plus safe à faire avec des jeunes. Voilà pour mon idée. Salut Fred J21. Grumonton, est-ce qu'on gagne des points si on reste dans la zone de départ? Rester dans la zone. Pour le sujet de la semaine l'année prochaine, ça serait drôle. Genre tu bouges pas. C'est bon, je suis confiné. Tu restes à 1 mètre. Ah non, 1 mètre, c'est beaucoup. À une certaine distance, tu respectes les distances de sécurité autour des robots. Salut d'ailleurs. Je te laisse, bon courage. Salut, monsieur Hippo.
C'est vraiment light 150 grammes. Et oui, c'est vraiment light 150 grammes. Et ton robot, c'est une brique. Et du coup, comme c'est light, je voudrais. En fait, je voudrais essayer. Voilà. Et le but de ce soir, c'est de commencer à prendre le robot que j'avais fait en 800 grammes et à le retransformer en 150 grammes. Alors, pourquoi repartir sur ce truc-là? Tout simplement parce que déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne peux malheureusement pas commander grand-chose en ce moment. Donc, comme je peux pas commander grand-chose, il faut que je fasse avec ce que j'ai chez moi si jamais je veux avancer et puis si jamais je veux tester des trucs. Et ce que j'ai chez moi, en fait, il n'y a pas le choix véritablement. C'est l'équipement en fait qui est déjà dans ce robot-là. Il y a des dimensions maximales. Non, il n'y a pas de dimension maximale. En fait, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'il y a une juste une catégorie de poids, en fait. Donc, une énergie maximale. Alors, il faudrait que tu regardes. Regardez, je vais faire un truc. Je vais vous mettre dans le chat. Voilà. Le lien vers le FRA. Comme ça, vous avez toutes les infos. De mémoire, j'ai pas vu d'énergie maximale. Hey, merci, Tuxun Zéro. Fou, c'est dur. Mais si tu parles là-dessus, sachant que je m'étais chauffé en 2004, oui monsieur, et j'avais fait les plans pour un robot en tweed. Alors je vais me sentir obligé de concrétiser le premier robot que j'ai imaginé dans ma jeunesse, 8 ans avant ma première CD. C'est seulement aux USA que la limite est de 4 pouces par 4 pouces par 4 pouces. Ah, c'est possible ça. C'est possible. Après, tu vois, 150 grammes, ça monte très vite, hein. Donc, tu vas pas faire un robot gigantesque, c'est pas vraiment l'intérêt, parce que plus ton robot il va être gigantesque, moins tu vas pouvoir faire de trucs avec, donc en fait tu vas vite te faire pourrir, en fait c'est pas vraiment le but. Après, peut-être qu'il faudrait faire effectivement des limitations de taille, ça je ne sais pas, je ne saurais dire, je ne saurais dire. Du coup, nous, dans ce robot-là, donc il fonctionne très bien d'ailleurs. Hop, j'ai joué avec ma fille tout à l'heure, bien amusé. Je sais pas si j'ai encore de la batterie. Voilà. Donc, ce robot, je l'avais déjà présenté dans un live. Le principe, c'est que j'ai un récepteur, j'ai deux ESC, j'ai un petit mixeur, une batterie, et puis, basiquement, il y a rien de plus. Le truc à savoir, c'est qu'en fait, le dimensionnement en fait de ce robot, c'est que pour les moteurs, il est plutôt dimensionné pour un end-weight à 150 grammes. Et par contre, les drivers, en fait, sont dimensionnés pour des moteurs qui sont plus puissants. Donc moi, ce que j'avais eu dans l'idée, c'est que pour améliorer ce robot, qui est relativement lent en fait et qui a pas beaucoup de puissance finalement pour un robot à 800 grammes. C'était de changer les moteurs. Le problème, c'est que forcément, les moteurs, je les ai pas reçus. Donc, je suis un petit peu, c'est un petit peu problématique. C'est-à-dire que ce robot-là, pour l'instant, il n'est pas fini et il va avoir tendance à être modifié. Donc, en fait, les moteurs et les roues, globalement, les roues vont être changées, les moteurs, je vais les enlever. Donc, le système, toute la carcasse au milieu, elle va être complètement modifiée. Il y a juste que l'électronique que je vais garder. Donc, moi, je me suis dit, tant qu'à faire, autant recréer un tweet, et puis quand je pourrais commander des pièces, je pourrais en fait finir les deux robots en même temps. Et c'est un peu ce qu'on va faire ce soir. Ça, Grenoble, c'est déjà assez chaud, je trouve pas forcément besoin de rajouter des contraintes de taille en plus, je pense. Oui, je pense que c'est pour ça qu'ils en mettent pas véritablement des contraintes de taille, mais ils en mettent rarement hein, dans les combats de robots, hein, au final. Alors. Juste pour vous expliquer un petit peu plus ce qu'on va trouver dedans. Donc le handweight, souvent en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est de l'impression 3D. Voilà. Là, par exemple, j'en ai trouvé un sur Thingiverse, donc c'est vraiment une coque toute simple en impression 3D avec très peu de choses dedans. On bourre le câblage comme on peut. Voilà, l'idée, c'est vraiment de faire un truc très 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 léger. On en trouve plein des handweights sur Internet. Du coup, voilà, vous allez voir, c'est vraiment des trucs qui sont relativement simples. Alors, je pense relativement simples à concevoir, mais il faut se dire que celui que j'ai fait là, j'avais galéré un petit peu pour faire de l'intégration. Et en termes de composants électroniques à l'intérieur, ce qui est cool, c'est que c'est aussi très simple en fait et relativement peu cher, vous allez voir. Du coup, ça va tirer plus sur la batterie qui me paraît déjà bien petite. En termes de poids, tu veux dire? Ou en termes de taille? Ah oui, en termes de poids pour respecter les 150 grammes. Mais après, un match, c'est très rapide.
Des moteurs plus gros. Ah oui, pour celui-ci? Ouais, bah alors pour celui-ci, les moteurs seront plus gros. Et je changerai la batterie aussi. Mais en fait, en vrai, t'as pas besoin que ça dure très longtemps. Au final, un match, c'est 2 minutes. Voilà, tout pété. Donc, des batteries, t'en as plusieurs. Tu les changes. Et puis, c'est pas un mal, on va dire, pour ça. Oui, les matchs sont très rapides. Ouais. Et puis, t'as le droit de changer ta batterie entre les deux. Enfin, tu vois. Mais là. Je suis sur une 450 mAh, j'ai quand même plus une dizaine de minutes de match, tu vois, donc il n'y a pas de problème. Fais gaffe aux USA, Antoine, c'est. Oui, c'est. Ils appellent ça Fair Weight. Oui. En fait, aux USA, les poids sont pas les mêmes. On peut retrouver ça si on fait combattre votre Wikipédia. Il y a un tableau dedans. Wikipédia. Dia? Dia? Tiens. Alors, hop. Et on a. Ouais, voilà. Ils ont les fairweights qui sont à 150 grammes. Donc, ça, c'est aux USA. Et ce que je disais, effectivement, c'est que pour eux, les handweights, c'est 450 grammes. Effectivement. Mais comme il y a plus de chances qu'on accueille des gens de Grande-Bretagne plutôt que des USA. Moi, je me dis qu'effectivement, se baser sur la FRA me semble un peu plus simple et sympa, à mon avis. J'avais pas vu le navigateur Opera Gamer. Salut Gabi. Surtout pour les designs tout prêts sur Thingiverse. Oui, en fait, voilà, regarde, tu vois, Antweight 150 grammes, et là, je crois que celui-là, c'était pas marqué. C'était pour vraiment vous montrer à quoi ça pouvait ressembler. Hein. Il le dit pas, mais ça a l'air d'être du 150 grammes aussi. Pour comparer un peu les choses, ça, c'est du Antweight en 450 grammes. Parce que Robert, lui, c'est Robert Cowman, il est aux États-Unis. Et tout de suite, le châssis, c'est pas la même chose. Si on va dessus. Ouais. Si on va dessus un petit peu pour voir ce qu'il fait. Robert, quand on regarde son châssis, voilà, en fait, ça a l'air de rien comme ça, mais ça, c'est du PEHD, donc c'est quand même relativement lourd, hein, en fait. Et il y a beaucoup plus de vis, il y a beaucoup plus de métal, etc. Donc, du coup, on est vraiment sur des châssis qui sont beaucoup plus lourds sur ces trucs-là, même si les tailles sont relativement restreintes, on va dire. Donc, oui, effectivement, il y a une différence, donc faites attention quand vous cherchez, tu as tout à fait raison de me le dire, Julien. Mais voilà, quand on prend des designs comme ça en impression 3D, même avec un brushless, ça reste du 150 grammes, je suppose. À moins que celui-là soit un peu plus grand. Quand même, regardez. Thingiverse, c'est une catastrophe. Hein. C'est devenu tellement long. Je sais pas s'ils le disent. Ouais. 150 grammes. Donc quand même, voilà. Il y a moyen de s'amuser. Hein. Il y a moyen de faire des trucs assez rigolos. Donc même avec un petit brushless. Tu vas utiliser du brushless. En fait, basiquement, ce que je disais, c'est que je veux refaire celui. Comme j'ai pas de brushless chez moi, j'ai rien du tout. Je veux refaire celui-ci, mais en 150 grammes. C'est un design que je connais un peu. Ça va me permettre de tester. Et ouais, j'aimerais bien jouer un peu avec du brushless après. Mais pas faire ce genre de robot-là. Je suis pas très fan de ce genre de robot-là. Mais peut-être d'autres trucs. En fait, j'aime beaucoup, pour tout vous dire, vu ce design-là, je le trouve très très rigolo. Avec deux moteurs sur les côtés et qui tournent comme ça, là. Avec des petites plaquettes, là. Je trouve ça très très drôle. Du coup, peut-être ça. Ça me semble assez marrant, ouais. Et en fait, c'est un modèle vibrant. J'ai pas trop bien regardé. Je l'ai vu passer, je fais, oh, c'est trop rigolo. Mais oui, peut-être un jour du brushless dans les petits robots. Néanmoins, pour l'instant, on va rester sur ces moteurs-là. Je les avais tout à l'heure. Touk-touk. Voilà, basiquement, les petits moteurs. Si vous faites un petit peu de robotique, vous les connaissez, ces moteurs. C'est des moteurs qui coûtent vraiment pas cher, qu'on peut avoir, bon, 1 $ sur Internet, sur AliExpress ou autre. Après, si vous en voulez des un peu plus performants, parce que quand même, ceux que vous avez chez AliExpress, ils sont pas foufous. Mais après, le prix, là, il est quand même un peu plus élevé. C'est chez Pololu en fond, qui sont vraiment, vraiment top pour le coup. Les Micro Metal Gear Motor là.
Le souci, c'est que c'est quand même relativement cher. Si on prend, alors ce que j'avais pris, bon, mettons ceux-là, par exemple, ils sont quasiment tous au même prix de toute façon. Voilà, on monte vite à ouais, 17 balles sur un moteur, ça fait cher. Mais ils sont, on sent qu'il y a un peu plus de qualité sur les moteurs, ça c'est indéniable pour le coup. Mais ça reste super cher. Pour ce qu'on fait nous sur les robots de combat, de toute façon. Le truc, c'est du consommable, hein. Donc faut se dire qu'il faut pas que ça coûte cher. Ça, c'est plutôt quand on veut faire des robots un peu de précision. Donc on va rester sur du consommable. C'est très bien le consommable. Donc le petit moteur à 1 balle chinois, là, ça nous suffira largement. Oui, il se déplace par vibration avec les pannes noires. Ah, c'est trop bien! Ça me ferait kiffer par exemple. Tu vois. Ça serait vraiment. En fait, c'est ça qui est rigolo avec les petits robots de combat. J'ai l'impression qu'il y a moyen de se faire plaisir en fait en ayant très peu de matos dedans et des trucs relativement peu onéreux et de se faire plaisir sur des petits concepts à la con en fait. Voilà. Et puis de se dire un jour, allez, on a deux trois robots, on se fait un petit combat, boum. Et puis genre une semaine après, tu peux en redesigner un et puis refaire une compétition. C'est ça que je trouve assez chouette en fait comme truc. Et moi, dans mon boulot de médiateur, pour les jeunes, je trouve que c'est un projet qui peut être intéressant. Tu peux voir déjà de la CAO, tu peux voir des choses vraiment cool. Et puis, faut dire ce qui est, tu demandes à des jeunes, on va faire des robots de combat ou on va faire un robot suiveur de ligne. Tu sais qu'il va y avoir plus de gens dans les trucs de robots de combat. Écoute, les gens sont faits comme ça, et si jamais on peut attirer des jeunes avec ça, moi ça me va. C'est pas un peu fragile comme moteur? Je suis très surpris par la solidité de ces moteurs. Si tu fais pas n'importe quoi avec l'alimentation, c'est là qui peut être un petit peu, ils sont un peu fragiles de ce côté-là. Eh ben, je les ai utilisés pendant super longtemps et j'ai été vraiment très surpris. Ça marche très bien, en fait, ça marche très bien et ça a l'air moins fragile que ce que je pensais. Donc, une très bonne surprise, une très bonne surprise. Oui, un 24S au Canada. Ah oui, bah tiens, tu m'étonnes. Attention avec la donne avec Polulu. Alors, si vous voulez commander du matos sur Polulu, alors je dis pas ça parce que c'est un partenaire, mais Gotronic, ils en ont. Gotronic, si. Ah oui, non. Si vous allez sur les moteurs et actionneurs, ils en ont dans les motoréducteurs de mémoire. Ah, et voilà. Ils ont les Pololu. Ils les ont au prix des Pololu. Voilà. Donc, ça, y a pas de souci, y a pas de surprise. Moi, c'est des trucs comme ça sur lesquels je suis parti. Alors, pas ceux-là, pas ce prix-là. Mais sur du chinois. Et que je voudrais essayer. Et qui ont l'air rigolo aussi. Hein, qui ont l'air pas mal. Qui ont l'air pas mal. J'en ai cramé un une fois. Oui, du coup, c'est. Bon, c'est pas le truc sur lequel tu vas mettre énormément de force, mais tu vois, un petit robot comme ça, là, je l'ai fait aller plusieurs heures. Et franchement, bah, je suis vraiment, vraiment agréablement surpris. Et j'ai vraiment pris le modèle le plus cheapos, quoi. Du coup. Non, 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 très content, très content. Pour faire ce qu'on fait, c'est très bien. J'ai le zoom pour lui, il ne faut surtout pas jouer à la friction. Ah ouais? Ah, c'est marrant ça. Mais c'est peut-être niveau du côté électronique? Bon. Autre chose, du coup, pour finir la partie un peu électronique du truc, qu'est-ce qu'on va venir mettre dedans? Alors, ça tombe bien que je sois là, j'arrive à être là-dessus. Je n'arrive plus à parler, c'est horrible. Ça dépend de la réduction du moteur. Oui, c'est peut-être plutôt ça, oui, effectivement. En fait, j'ai pas réussi à retrouver exactement ces moteurs. Ça a l'air d'être des moteurs de kit. En fait, il existe ces moteurs-là. Avec directement l'ESC qui serait soudé en fait sur le moteur et du coup là derrière ça se pilote comme un servomoteur en fait par le récepteur et donc on utilise en général des micro-récepteurs comme ça, chose que je n'ai pas là, j'ai un gros récepteur de base et les ESC, moi les miens ils sont sortis donc il y a la possibilité de faire ça. Moi ce que j'ai pensé c'est que ces moteurs-là ils coûtent cher avec l'ESC derrière, ils sont très difficiles à trouver. En tout cas, j'en ai pas trouvé suffisamment pour avoir une gamme de prix qui soit intéressante. J'ai trouvé ce truc-là. Alors, je l'ai ici, mais bon, on pourrait l'avoir autre part. Qui est ce qu'ils appellent enfin, c'est un double ESC, un dual ESC. Et en gros, on peut brancher deux moteurs dessus. On a les deux commandes qui
qui se font directement sur la carte. Donc on a une seule carte pour piloter les deux moteurs. Et ce qui est chouette, c'est qu'il y a un tout petit interrupteur qui est ici, qui permet de passer en mode mixage ou en mode normal. En mode, je le refais pour ceux qui n'avaient pas suivi ce truc-là. Voilà. Qu'est-ce que c'est le mode mixage et le mode normal pour très rapidement, et si jamais vous voulez plus d'informations, je l'ai déjà expliqué plus en détail sur notre live. En gros, si vous branchez une voie comme ça pour piloter un moteur, une voie pour piloter un moteur, vous allez avoir besoin de faire ça pour aller en avant, et ça pour aller en arrière, et ça pour tourner d'un côté, et ça pour tourner de l'autre, pour tourner sur vous. En fait, c'est un peu le mode tank. Voilà, si vous préférez. Du coup, ça c'est très compliqué à gérer. Le mieux, ça serait de faire gauche-droite pour la direction, pour tourner sur lui-même, et avance-arrière pour aller en avant ou aller en arrière. Ça, c'est ce qu'on appelle le mode mixage. On a deux manières de le faire. On peut le faire directement avec la programmation de la télécommande, mais c'est pas foufou. On peut le faire comme ce que j'ai fait là avec un composant qui est ici, qui coûte environ 1 $. Mais du coup, ça rajoute un composant à programmer. Et sinon, en fait, on peut le faire directement, et c'est ça que j'ai trouvé cool, que j'ai vu ça directement avec cette carte-là. Cette carte-là permet de faire le mode mixage ou pas, directement intégré sur la carte. Donc en fait, on a une toute petite carte qui intègre tout ce qu'on a besoin, qui est largement suffisant en termes de puissance. On a 5 ampères par moteur, qui est largement suffisant pour nos petits moteurs. Et là, elle est à 10 balles, mais en fait, je l'ai trouvée à 5-7 balles. Donc c'est nickel pour ce qu'on veut faire. Et c'est tout petit, et du coup, clairement, en fait, c'est vers ça que je pense me tourner pour faire l'électronique du robot. On testait le couple pour les 1-1 et on a serré un peu fort. Magic Smoke. Ah ouais, ceux-là, ils fument de manière très, 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 très magique. Robot maker, actionneur, driver, convertisseur de moteur. Et pour le mixage, tu dois pouvoir configurer ta télécommande. Sinon, il y a ça. Ah, alors, Mike, qu'est-ce que tu as en stock? Ah oui, j'avais vu passer celui-là, mais pas, je savais pas que tu l'avais. 14 ans de convertir deux petits moteurs CC en moteur compatible avec le pilotage type servomoteur. Ah cool, cool. Oh, ça me fait penser à des trucs ça. Et chez Robot Maker, j'avais oublié, tiens, ils ont aussi ces moteurs. Mais les moteurs, celles-là, les N20, on les trouve un peu partout. Hein, donc du coup, c'est très cool. Ils sont même maintenant, vous voyez, sur 1000, 1000 c'est beaucoup trop pour nous. Soit un ratio de 6 ou de 100 ou de 30, et ils sont beaucoup moins chers. Ça peut être intéressant. La carte fait quelle taille? Elle m'a l'air quand même très grande là. 1, 2, 3, ouais. À vérifier, à vérifier. Et le mixage sur la télécommande, oui, on peut le faire toujours sur la télécommande. Après, toutes les télécommandes ne sont pas programmables. Et du coup, si jamais on prend des télécommandes, moi je suis toujours dans le mode où je fais ça avec des gamins. Et donc je vais avoir plein de groupes. Et donc du coup, il faut que j'arrive à trouver le truc le plus cheap possible. Et des télécommandes, des fois, y en a qui ont pas de mode programmation. Et notamment, en fait, ce que ça me permet, ce truc-là, avec le mode mixage. Où es-tu? Avec le mode mixage, c'est de pouvoir utiliser des télécommandes gâchettes de voiture, en fait, qui coûtent 10 balles et dont les récepteurs sont très très petits. Et donc du coup, ça permet de faire des petits robots très rapidement avec les enfants, sans avoir besoin d'avoir du matériel très onéreux, en fait. Mais du coup, elle m'intéresse vraiment pour d'autres projets, cette carte. Ok, bon, du coup, on a plein de solutions, c'est vraiment vraiment chouette. Je peux fournir la CA aussi besoin. Ah, écoute, envoie-le sur le Discord, sur mon Discord, comme ça je pourrais le partager. Tant qu'à faire. 25 par 35. Mais 25. Ah ouais, quand même. Ouais. Ah, c'est grand en fait. C'est plus grand que ma batterie en fait. C'est plus grand que ma batterie, mais d'un autre côté, tu peux aller jusqu'à combien en courant? Ça serait bien pour un autre projet que j'ai besoin de faire. Écoutez, ça peut être très intéressant. Merci, merci Mike pour cette info. Tiens, regarde, hop, je le pine. Voilà. Et du coup, avec tout ça, eh ben, on va commencer la conception peut-être. Hein? Oui, allons-y. Commençons la conception. Non, attendez, avant, je voulais quand même vous montrer un truc.
qu'on m'a mis dans le Discord, qui était cool, et du coup de fil en aiguille, je suis retombé dessus. C'est fait par la Team Panic. Alors, Team Panic Robot, qui ont une chaîne. Est-ce que je peux avoir la chaîne? Je vous encourage à aller voir. Ils ont pas beaucoup de. C'est pas hyper suivi, alors qu'ils font des trucs assez réguliers, qui est vraiment chouette. Voilà. Attention, record de viewers, on passe d'être battu, c'est repassé à 28, mais c'était à 31. Ah bah super, écoute, je suis content. J'ai plus le nombre de viewers qui s'affiche, mais c'est pas très grave. Du coup, Team Panic, ouais, c'est une team qui fait plusieurs robots, qui est dans plusieurs compétitions, et qui et le gars fait plusieurs reviews et explique ses protos, etc. C'est un peu comme du Koan, mais en vraiment en très très comment dire, en très très en plus soft, on va dire, en moins préparé, plus soft, moins techos, mais hyper intéressant à regarder quand même. Et ils ont fait un petit essai, et ça, je sais que Jonathan l'a fait, Jonathan qui est dans le live, qui fait partie d'un Fab Lab, a fait un essai de moulage de pneus pour ses robots, et eux ont fait exactement la même chose, et j'aimerais bien du coup tester ça, parce que je l'ai jamais, j'ai jamais fait, enfin si je l'ai fait, mais pas avec ces matériaux-là, pas les matériaux que tu trouves chez toi un petit peu comme ça, et du coup ça pourrait être assez chouette, je trouve, de pouvoir tester ça. Mon record reste à 31. Bah écoute, nous on est passé à 31 apparemment, selon Alf. Écoute, on verra bien. J'ai pas eu de raid. Pas de 100 raids. Du coup, voilà, il fait plusieurs essais avec plusieurs techniques. Jonathan, faudrait que je te recontacte d'ailleurs pour savoir comment t'as fait et ce qui a marché. Je crois que tu l'avais documenté en plus. Si t'as le lien, n'hésite pas à le mettre dans le chat. Et du coup, ça m'intéresse énormément parce que une des problématiques, ça va être la taille des roues et du coup de faire des roues custom en impression 3D après avec du moulage, c'est quand même assez chouette. Pareil, c'est un truc qu'on peut faire avec les gamins assez simplement. Du coup, j'ai vraiment envie de tester. Et eux ont mis en fait, donc à la fin, hop, voilà, il fait ses moules, hop, il les sort, je sais plus jusqu'à où. Ah oui, il a défoncé son truc. Alors ça, c'est ses premiers essais, hein, ses expérimentations. Aller voir un petit peu ce qui a marché, ce qui a pas marché, c'est ça qui est cool. Et ils ont sorti un truc. Voilà, je l'ai retrouvé en fait sur Thingiverse. Et ils l'utilisent assez régulièrement. Donc, écoutez, peut-être que ça va être un truc qu'on pourra faire. Voilà. Eh ben, écoutez, allons-y maintenant. On va. Tu dois refaire des tests, du coup, ça veut dire que ça ne marchait pas ce que tu avais fait, ou c'était quoi tes retours là-dessus? Kamikaze, e-tech et tu étais BFM. Ah oui, j'aime bien, j'attends des liens sur. Oui, il y a un gars qui a dérapé sur BFM TV, qui a dit lors d'un hommage au Chinois qui était mort du coronavirus, il pensait que son micro était éteint et il a dit que les mecs enterraient des Pokémon. Et oui, et ils se sont excusés après en disant que ouais, on pensait que le micro était éteint, mais en fait, micro éteint ou pas éteint, tu dis pas ça, quoi. Et donc, du coup, c'est. Avec la farine, ça s'effrite, donc ça tient pas dans le temps. Ouais, c'est ce que j'avais lu. Et c'est l'autre technique avec du. Je sais pas, il met un produit liquide. J'avoue que j'ai pas trop regardé ce qu'il a fait. Je me suis laissé de côté pour après. Mais je sais que la farine, c'est pas fou. J'ai acheté de la vraie résine. Ah oui, ah, t'as triché. Non, non, je déconne. Alors. Ça, c'était le robot avant. Et le problème de ce robot, quand même, je vais passer en mode complet, c'est que il était vraiment. Enfin, je l'avais alourdi en fait. En dessous, il y avait une plaque en acrylique qui était quand même percée parce que c'était un peu trop lourd. Et du coup, il y avait beaucoup d'acrylique, beaucoup de pièces très pleines. Branché. Et du coup, c'était pas foufou. Donc là, l'idée, c'est vraiment de faire quelque chose de beaucoup plus léger, beaucoup plus simple. Voir après avec ce qui se fait déjà sur cette compétition-là. Tu prévois une manche bonus?
Je vais acheter de la vraie résine. Ça dure plus longtemps, je trouve, et ça coûte pas si cher au final. La résine, la vraie résine, oui, c'est vrai. Après, c'est plus pour le délire de le faire, tu vois, avec des matériaux que tu peux trouver un peu partout, en fait. J'ai vu un gars faire un truc en latex par-dessus de l'impression 3D, il mettait du talc. Bah, ouais, c'est pareil, c'est farine talc. Et alors, je crois qu'il y en a certains qui arrivent bien, mais le retour que j'ai, c'est que c'est pas évident. Et que c'est plutôt le comment dire, c'est plutôt très très comment dire dur à faire. C'est quoi ballon battle? Ah ouais! Ça pourrait être rigolo, tu vois. Et ça, pour le coup, avec des gamins, ça se fait bien, quoi. Ça se fait bien. Tu peux faire des rounds un petit peu comme ce qui se faisait avant sur les premiers BattleBots où les gars faisaient des concours où il fallait qu'ils passent dans des circuits, etc. avant de faire les combats ou jouer avec une balle. Je trouve ça c'est très très rigolo, quoi. Du coup, c'est très rigolo. Avec les deux petits ressorts, c'est quoi? C'est un servomoteur qui tire. C'est vraiment très con. Je teste un truc avec la maïzena. Ouais, la maïzena aussi. C'est vrai que j'ai vu passer ça avec la maïzena. Mais t'as les Raspberry Pi pour organiser les fights sur Vigib. C'est quoi les tailles des Vigibots? Les produits vaisselle comme Elio que ça fait, ça a l'air de bien tenir dans le temps. Ouais. Après, nous, si on en fait plein, de toute façon, si le pneu s'éclate, on s'en fout un petit peu, quoi. C'est vraiment de l'usage presque one shot. Alors, j'avais deux trucs, taille d'un Raspberry Pi, grosso modo. Ah bon, bah voilà, du coup. Bon, avec ces moteurs-là, il y a moyen de faire quelque chose de pas trop mal autour de ça. Merci de me suivre, Eli21. Alors, donc j'ai ma batterie, j'ai mon moteur. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite dupliquer ça. Et je vais enlever toute la partie roue, parce que du coup, ça c'était la roue que j'avais fait avec une roue de modélisme. Mais clairement, voilà, c'est un peu overkill. Du coup. Salut, salut Roxys. Je suis passé sur PC. Ah, d'accord, ok. Alors, on va faire un save as. Et dans robot de combat, on va se créer un nouveau projet. Non, pas du tout. On va se créer un nouveau folder. Et on va créer. On va l'appeler Ant V1. Voilà. Save. Nickel. Parce qu'en fait, à la base, le truc s'appelait N20 Motor, et puis finalement, j'ai mis la roue dessus. C'est quand même un peu con. Alors ça, c'était ma première idée de roue, avec des joints toriques. Ça, c'est drôle. Hop, on va supprimer tout ça. On va récupérer que le joint, que le moteur. Tout ça, hop, on va le supprimer. Nickel. Donc, voilà, j'ai mon moteur. Très basiquement fait, mais largement suffisant pour la suite. Je vais passer en vue bureau, ce sera beaucoup plus simple pour vous. Alors, comment on va commencer? Ça, c'est toujours un petit peu compliqué. Je pense qu'on va se faire un petit dessin, si ça vous dérange pas. Pour avoir un peu les idées au clair. Parce que bon, voilà, le but, c'est pas de le finir ce soir, hein. Clairement pas. C'est plutôt de commencer à avancer là-dessus et puis de voir un peu ce qu'on peut faire avec ça. Hein. Vérifier les collisions. Ah, les collisions. Ah, les collisions. Non, mais ça va. Je pense que trauma. C'est vrai qu'hier, ça a été dur. Hein. Vraiment, je souffrais pour toi. J'étais content et puis après, je faisais oh, oh, oh. Les joints toriques marchent pas trop mal comme surface de roulement si tu les dégraisses bien. Ouais, oui, non, mais du coup, c'est une solution qui est intéressante. Après, moi, je trouve que c'est rigolo quand même de fabriquer ses propres pneus. Alors, écoutez, on va repartir quand même sur le design de notre robot. Hein. Voilà, on va pas repartir de zéro. Le truc, c'est que là, ce que j'avais, c'est que mon robot, il était vraiment beaucoup trop large. Et il va falloir aussi que je descende un petit peu l'épaisseur du robot. Comme je suis sur du 150 grammes, je peux pas me permettre de faire toute une coque pleine, en fait. J'ai peur que ce soit vraiment trop lourd. Donc j'ai plusieurs
Enfin, j'ai plusieurs idées, c'est de repartir sur un châssis qui ressemblerait un peu à ça, mais avec en étant très allégé, en n'ayant pas ces surfaces-là en fait de protection des roues qui sont ici en fait, qui sont intéressantes dans un design un peu lourd, un peu plus grand, mais qui sont pas hyper intéressantes pour moi dans mon design très léger. Et soit voilà, mon idée, je vous la fais, c'est de le faire en une seule coque. Voilà, c'est de faire mon robot comme ça. Donc ça, c'est une seule et même coque et tout est dedans. Voilà, avec l'ouverture au milieu. Voilà. Et en fait, si je coupe ma vue, en fait, tchouk. Voilà, j'ai ma coque qui serait comme ça. Uniquement d'impression 3D. Donc à l'envers, avec ici les supports pour mon moteur. Et puis après les roues qui vont dessus. Et la pièce qui serait en dessous en fait, qui viendrait protéger en fait le dessous du robot si jamais il se soulève, il se retourne, ou alors si jamais il y a quelque chose qui le touche en dessous. Je pensais prendre une plaque en PETG. Juste une feuille de PETG genre 0,8 mm ou 1 mm. L'idée étant d'avoir quelque chose de très léger en fait à venir visser en dessous et que la coque en fait protège directement l'ensemble du robot sur le dessus. Je sais pas si c'est très clair ce que je cherche à faire. En gros, c'est la même chose que ça, en plus léger, en beaucoup plus simple et surtout bah en fait plutôt que d'avoir ça comme ça, je l'aurais voilà dans l'autre sens. Voilà, ça serait tout ça, ça serait une seule et même coque posée sur le dessus avec le dessous. Une plaque souple, transparente en PETG. Voilà ma petite idée autour de ça, en espérant que ce soit pas très compliqué à utiliser. PETG ou HDPE comme sur le robot de Maker Fight. En fait, le HDPE est très bon, mais le HDPE, il est très lourd aussi. Et le HDPE, tu as du mal à le trouver en dessous de 2 mm. Alors que du PETG, c'est très souvent que tu peux réussir à le trouver en 0,8 mm, 1 mm, 0,5, 200 microns, enfin voilà, c'est très très facile de le trouver à ces tailles-là. Donc, moi, mon idée, c'est vraiment de pouvoir avoir ça sur, voilà, comment dire, des matériaux très simples à récupérer. Donc, le PETG, je pense que je vais vraiment prioriser le PETG pour le coup. Hop, je repasse sur le côté. Hey! Bienvenue, Default Route. Default route. Tu peux pas réduire les dimensions pour qu'ils soient plus légers. Bah si, je pense qu'on va réduire les dimensions également, ouais. Salut. Merci de me suivre. Alors, je repars sur le truc ici. Donc, mon moteur, on va créer un nouveau truc. Et après, réduire les dimensions. Réduire les dimensions. Est-ce que c'est vraiment intéressant de réduire les dimensions? C'est la vraie question en fait. C'est que. Ah, j'ai oublié mon réglé. J'ai oublié mon réglé. C'est con ça. Vous allez dire, je pourrais le mesurer sur la simulation, mais jamais mesurer en vrai. Sur un robot de 20. Non, je me dis que plutôt que de réduire les dimensions, on va plutôt. Ou alors on le fait en paramétrique. Ce sera plus long. Mais l'avantage, c'est qu'on pourra le faire évoluer en termes de design par la suite. On va essayer de le faire en paramétrique. Tiens. Ça va nous faire un bon exercice. Moi, ça fait longtemps que j'ai pas fait de conception comme ça depuis le début, donc écoutez, c'est plutôt une bonne chose. Je vais partir sur un côté. J'aimerais vérifier un truc. Parce que. Yes. Alors, petite info là sur Fusion 360.
J'étais pas sûr de ça là jusqu'à là à l'instant. On avait un petit souci avec un pote, c'est que voilà, vous voyez ce qui vient de se passer là? Le fait que quand on crée un sketch, on se met dessus, ça ressente sur la face du sketch, ça nous le faisait plus. En fait, on restait sur le côté. Et en fait, c'est si jamais ça vous fait ça, c'est parce que vous avez le 3D sketch qui est coché ici. Et si je coche le 3D sketch, il se met automatiquement en mode 3D sketch et du coup il reste en vue 3D. Donc si vous n'avez pas l'habitude de l'utiliser 3D sketch, vous le décochez. Voilà. Et ça va se recentrer une fois que vous créerez un sketch. C'est quand même vachement plus agréable. Surtout quand vous avez des sketchs qui sont sur des faces un peu à la con. Oui, le paramétrique c'est bien pour ça. Si tu dépasses un peu le poids max, tu pourras plus facilement modifier ta pièce pour gagner en quelques heures. Bon, ouais, voilà, c'est ça vraiment l'idée, c'est de me dire voilà, si jamais j'ai un problème, tu as tout à fait raison, il faut que je puisse modifier certains aspects. Après, le problème en paramétrique, c'est que c'est sûr que ce que je vais faire là ce soir ne va pas marcher. Et il va falloir que je refasse au propre parce que quand on refait un design paramétrique, c'est de poser les paramètres, les trucs les plus importants. Et je sais que souvent, moi, il y a plein de choses que je vois après et rajouter un paramètre par la suite, à la fin, souvent c'est un peu compliqué et ça pète un peu tout le design. Donc souvent, ce que je fais, c'est que je crée un truc pseudo-paramétrique, je vois un peu comment ça marche et après je refais ma pièce en posant bien les trucs que j'ai vus pendant la conception et qui me semblent importants à mettre en avant en fait au tout début. J'étais pas là au début, mais il y a une dimension respectée ou autre chose. Juste un poids, on va essayer d'avoir 150 grammes. Voilà, ça va être notre poids max. Souvent, c'est avec l'expérience que ça t'arrive moins. Ouais, et puis si t'as l'habitude de faire certaines pièces, je trouve, quand t'as l'habitude de travailler sur certaines pièces, il y a des trucs auxquels tu penses tout de suite, et c'est vrai que ça te permet du coup d'aller beaucoup plus vite. Alors, je vais pas le faire comme d'habitude, parce que d'habitude, en fait, ce que je fais quand je crée un robot comme ça, c'est que je fais ça. Ouais, basiquement, je fais un triangle, voilà, je pose ma roue. Voilà, ça va pas du tout. Et puis, je travaille à partir de ça. Le souci, c'est que je suis toujours de travers, en fait. Là, pour celui-ci, on va le faire différemment. Ça va me changer un petit peu. C'est qu'on va le dessiner comme s'il était, il était à plat, comme ça, avec l'axe des roues quand même ici. Donc, je vais créer juste une ligne de construction. Voilà. Et puis, non. Voilà, je vais créer mes lignes de construction. Voilà. Donc ça, c'est vraiment basiquement ce à quoi ça va ressembler. Et le raccourci qui s'est pas fait. Très bien, ça. Il y a moyen de faire ma pub ou pas? Oui, tu peux, oui. Barbatronic, la robotique, c'est ton métier. Je suis médiateur scientifique plutôt. Mais en robotique. Alors, c'est pas véritablement mon métier. Je ne suis pas de la robotique au sens pur et dur. Disons que j'essaye de former des jeunes et des moins jeunes aussi aux sciences et aux techniques. Et j'utilise la robotique comme média, en fait, pour les enseigner à ça, en fait. Là, il y a des gens qui utilisent, par exemple, la fusée ou l'astronomie ou pour intéresser les jeunes à la science. Moi, j'utilise la robotique. Voilà. 32 viewers. Ah, j'ai mon compteur automatique sur le... C'est rigolo ça. Alors, c'est ma chaîne YouTube. Eh ben écoute, il faudra aller voir. Je le retiens. Et au fait, le palakis, du coup, salut. Je crois que je t'ai pas salué. Il me semble pas. Alors, du coup, voilà. Donc, j'ai ma roue et puis j'ai mon format. Alors, ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais créer mes paramètres à partir de là. Et donc, un paramètre qui me semble être intéressant, c'est le diamètre des roues. On va partir sur des roues de 60 mm. Je mets pas de commentaires, ça sert à rien pour ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut rajouter comme paramètre? Je pense qu'il va y avoir le paramètre de la garde au sol. Alors la garde au sol, en fait, on va se mettre quoi? On va se mettre 3 mm. Voilà. La garde au sol, c'est la distance entre votre roue, la distance max entre le roue et le haut du châssis. Si jamais on regarde sur... voilà.
Ah, c'est vrai que j'ai pas salué non plus. C'est pas grave. En gros, si jamais je regarde ici, je fais un petit dessin très rapide. Si mon robot fait ça, voilà, et que mon sol est là, voilà. Une garde au sol, ça va être ça, ici, cette distance-là. Voilà. Si j'ai un robot qui est tout droit, voilà, comme ça arrive souvent à la coupe, qui est équilibrée, voilà, avec une roue, puis une bille, par exemple, la garde au sol, je vais l'avoir partout. Donc, l'idée sur ce genre de robot-là, c'est d'avoir une garde au sol nulle d'un côté, en fait, d'avoir zéro d'un côté pour pouvoir passer en dessous, et d'avoir le minimum de l'autre côté pour éviter de se faire soulever, en fait. Donc, on peut pas être à zéro, véritablement, mais on va essayer avec 3 mm et on va voir ce que ça donne. Donc, ça veut dire qu'en fait, ma ligne ici, elle va pas être complètement droite. Donc, il va falloir que j'oriente ça, en fait. Comme ça. Alors, plutôt un truc qui va ressembler à ça. Oui. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer notre ligne de construction qui va être notre sol, en fait. Voilà. Encore une fois, là, je suis vraiment. Je conçois de manière. Il y a une conception un peu naturelle, quoi. Je fais comme j'ai en tête. Et après, peut-être que ça sera à modifier. Donc voilà, donc j'ai ma garde au sol. Je vais déjà remettre mon diamètre de roue ici. Voilà. Et puis, bah, ma roue, elle doit toucher le sol. Du coup, où suis-je? Ah voilà. Voilà. A priori, mon design, il est symétrique. Donc, ça veut dire que la distance que j'ai entre là et mon châssis, je dois la retrouver aussi de l'autre côté. Alors pour faire ça, on va se créer une ligne ici, du bout au centre, et on va, hop, lier les deux, et du coup, en théorie, ouh, alors là, ça bouge parce qu'en fait, c'est pas... Si je fais ça veut dire que là, mon angle. Ah ouais, ça veut dire que ça égale ça. Bon, on peut faire comme ça, hein. Voilà, au moins j'ai mes deux lignes. Ça, c'est une ligne de construction. C'est moi ou on va faire un pic à 36? Ça devient fou. Et maintenant que j'ai fait ça, en fait, il y a beaucoup de choses qui sont déjà bloquées. Je vais mettre aussi une distance entre la roue à l'arrière et puis mon point là, où je fais ça, où je crée un paramètre entre ici et pour avoir la longueur du robot, en fait, définir, voilà, fixer la longueur du robot. Salut, 4 maths ou 4 maths, je sais pas, le confinement. Ah oui, pic à 36, confinement, ça rapporte du monde. Vous savez que depuis que je fais des lives en confinement, j'ai jamais eu ça. Hein. Je pense que les gens, là c'est bon, ils ont annulé, ils se sont dit, bon, de toute façon, il n'y a plus de jour, on est dimanche, mais en fait, c'est comme si on était mardi, on s'en fout complètement. Donc la longueur du robot, moi je trouve que c'est un truc intéressant parce que c'est facile à voir, en fait, et estimer. Par exemple, sur ce robot-là, j'étais à 17, enfin 170 mm, on va mettre un truc longueur du robot. Est-ce que ça sera utile? Je sais pas. Longueur? Oui. Longueur robot. Et on va le mettre comme l'autre. On se dit qu'on le fait plus petit? Ouais, allez, on se dit qu'on le fait plus petit, on le fait à 160. Voilà. Et donc ça va être la distance entre là et là. Voilà. On va revenir en arrière. Alors le souci, c'est que là, j'ai pas défini ma distance entre là et là, du coup il bouge. Il y a quelque chose d'autre qui bloque. Qu'est-ce qui bloque? Le logiciel de CAO, c'est ton ami. Alors là, ça bloque plus. Trop bizarre. C'est très étrange ça. Tiens donc. Tiens donc. Longueur robot. Ouais, très bien. Ah! Pourquoi il ne veut plus bouger?
Bon, alors écoutez, ça me saoule. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste mettre une cote ici, un peu à la con, genre 5. Voilà, pour qu'il arrête de nous embêter. Hop. Et voilà, longueur robot. Voilà. Est-ce qu'il y a déjà une tête intéressante? Je trouve un peu trop haut, mais bon, ça c'est un truc. On est dimanche, zut. Il fait quel poids ton petit robot? Il fait le petit que j'ai fait là, il fait un peu moins de 800 grammes. 21, il faut que j'explique la blague. Il fait quel poids? C'est bien le live en confinement. Ouais. C'est fort masse. Ah d'accord, ok. Excuse-moi. 60. Du coup, 60, ça me semble un tout petit peu. Il est uniquement en CAO. Ah oui. 21 mégas. C'était ça la blague. Il paraît vachement haut. Ouais, c'est ce que je me dis aussi. Écoutez, on va passer sur 50, voir un peu ce que ça donne. Ça me semble un peu plus sympa là. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça me semble un peu mieux. Ensuite, est-ce que tu as le poids des roues et des moteurs? Je peux avoir le poids des moteurs, éventuellement. Par contre, les roues, il va falloir que je les fabrique, donc je l'ai pas du coup, du tout. Pareil, la batterie, je l'ai pas encore véritablement choisie. Je vais peut-être prendre celle-là. Et donc, on va voir. On va voir. En fait, je sais que ça marche à peu près parce que c'est un peu ce qui est utilisé un peu partout en 150 grammes. C'est vraiment un essai, hein. J'avoue que là, je me lance un peu dans l'inconnu. Alors, en gros, il te reste combien pour le robot? Je ne sais. Franchement, je sais vraiment pas. En fait, là, je me dis, je pars plutôt sur un design, tu vois. Vraiment. Ah ben, merci de t'être abonné, Formas. Je pars sur un design et puis je vois un peu comment ça se déroule, tu vois. Je ne vais pas me formaliser déjà avec le poids, si tu veux. Avant de véritablement me représenter ce que ça fait. Je sais pas si en imprimant tu vois un truc, combien de grammes ça va faire. Donc il faut d'abord que je le fasse pour voir à peu près une estimation et me dire, ok, ça fait ça dans ma tête. En fait, parce que là, honnêtement, j'avoue que 150 grammes, tu vois, ça me parle pas. En fait, j'arrive pas à me dire, ok, ça représente ça, donc ça veut dire qu'il faut que j'enlève ça et que si j'enlève 1 cm de ce côté-là, ça représente tant de grammes. Tu vois, ça, c'est quelque chose que j'ai pas encore en tête. Je l'ai plus en tête sur un robot de 20 kilos pour l'avoir fait plusieurs fois. Sur un robot de 150 grammes, j'avoue que ça me vient pas naturellement, quoi. Alors, du coup. Ça, je vais le changer. Je vais passer à 2. Parce que ce que je veux aussi à l'arrière, c'est que mon robot, il ait une forme un peu comme ça. Pour si jamais il tombe. Alors, ça, c'est toujours la question. C'est est-ce que si jamais il. En fait, il y a deux techniques. C'est soit on fait une forme à l'arrière de ce type-là. Ce qui fait que quand on le tape à l'arrière, il revient sur son côté normal. Mais du coup, il y a plus de chances de se faire taper par l'arrière. Soit on fait l'inverse. Hop, je vais revenir en arrière. Touc. Soit on fait l'inverse. C'est-à-dire qu'on fait ce que j'avais fait moi sur l'autre. Comme ça. Sauf que le souci, c'est que si jamais il tombe dans l'autre sens. Et donc du coup, son arme est inutile. Mais il peut continuer à fonctionner correctement. Et il risque pas de se faire prendre par derrière par une arme qui tourne et qui pourrait le lever en fait. Donc c'est un petit peu, c'est jamais évident. Moi ce que je me dis c'est que ça je l'ai déjà tenté. Savez quoi? De ce côté-là, j'ai deux raisons pour lesquelles je vais pas le faire dans ce sens-là. Ça je l'ai déjà tenté. Donc je sais que ça fonctionne à peu près bien, mais voilà. Et j'aimerais bien tenter dans l'autre sens, à savoir comme ça en fait. Voilà. Il y aura quelque chose qui ressemble à ça à l'arrière. Et comme je vais l'imprimer avec cette surface-là sur l'imprimante, ça sera plus facile, je pense, à imprimer dans ce sens-là. Je peux me tromper. Je peux me tromper, mais je pense que ça sera un peu mieux. Et alors là, du coup, ce qu'on va faire, c'est que. Est-ce que je le paramètre avec un angle?
Est-ce que c'est intéressant le paramétrage à l'angle? Non, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Parce qu'il y a un truc, c'est qu'il faut pas que ça touche la roue. Faut pas que ça touche la roue. Ah! Tiens, c'est rigolo ça. Pic arctangent. Voilà. 2 mm. Voilà. Déjà, voilà, ça touchera pas la roue. Et après, je peux jouer avec l'angle. Mon paramètre, c'est plutôt ça, du coup. Ok. Alors maintenant, on repart sur les paramètres. Et on va appeler ça angle arrière. J'aime pas trop. Angle arrière. Oh! C'est passé directement en angle. C'est beau ça. Degré. On va se mettre à 50. Semble pas trop mal. Ben salut Alf. T'as fait un beau stream hier. Du coup, tu as le droit de te reposer. du coup. Ah non, j'ai pas de modo, tu sais, sur ma chaîne. J'en suis pas encore là. Je me modère moi-même. Est-ce que ça fait pas un peu bizarre là? Est-ce que ça ne ferait pas un peu bizarre? C'est un peu beaucoup quand même, hein. C'est quoi 40? Ah mince, si je me trompe de paramètre forcément. 40, ça va faire énorme. 30. 60. Alors ça, il faudrait que je le règle après, vous savez avec quoi? Avec le poids et de voir où est-ce qu'il est le centre de gravité en fait. On se rapproche du logo de Star Trek. Ah, est-ce que le logo de Star Trek était une forme de robot? Bon, j'arrive. On va partir sur ce design-là pour l'instant. Donc ça, du coup, c'est une ligne de construction. Ce qui est un peu dommage, c'est que du coup, ça c'est... Non, bah donc, non, c'est bon. Du coup, ça reste aussi une ligne de construction. Voilà. Donc ça, c'est la coque. Une forme de coque de robot, quoi. Du coup, est-ce qu'on est bon là? On est bon, donc on va l'extruder, donc on va faire un paramètre largeur du robot, a priori. Largeur robot. Voilà. Alors là, celui-là, j'avais dit qu'on était à combien? C'était à 18. Est-ce qu'on fait un robot carré? Pour être rigolo. 160. Yes. Voilà. Alors là, on va pas l'extruder comme ça. On va l'extruder de manière symétrique. Et là, hop, largeur totale. Largeur du robot. Millimètres. Ok. Un bocal porte. Ok. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler sur les côtés maintenant pour lui donner cette forme un petit peu pas droite, justement pour éviter que si jamais il tombe comme ça, hop, il vienne se bloquer, mais plutôt qu'il vienne rebasculer sur un côté plus intéressant pour nous. Alors, pareil, la question c'est toujours la même, c'est est-ce que. Alors, déjà, attendez, je me suis trompé. Quoi que ce sera une seule et même pièce. Non, on va quand même créer. Je suis désolé. J'ai créé un body en fait, et j'aurais pas dû. Je vais créer un component. Voilà. On va appeler châssis, mais c'est un peu basique. En fait, ça sera tout quoi. Hop, on le gronde. Du coup, soit je le fais comme ce que j'avais fait sur l'ancien, mais du coup, il peut se retourner sur son mauvais côté. Soit je le fais dans l'autre sens, mais alors là, ça va devenir un peu bizarre. On fait les deux si vous voulez bien pour tester. Alors, le draft, je le cherche toujours. Plan. Alors, en fait, soit on fait ça. Ça fait bizarre, ça. Mais c'est ce qu'il y a de plus logique si jamais on veut qu'il retombe sur ses pattes.
pour utiliser son arme, mais esthétiquement c'est dégueulasse. Soit on fait ça dans l'autre sens, et esthétiquement c'est beaucoup plus joli, mais si jamais il tombe comme ça, il va retomber à l'envers. Voilà. Et du coup là, il faut que son arme elle ait suffisamment de débattement pour se repositionner et après rebasculer. On peut jouer avec ça, hein. On peut jouer avec le fait que l'arme peut avoir un débattement très important et donc qu'il puisse se remettre en état par la suite. Pourquoi un triangle et pas un quadrilatère? Un truc full symétrique, genre losange aplati d'un côté et tiré de l'autre pour faire l'avant fin. Fonctionnel, supérieur à joli. Full symétrique. Alors attends, genre un losange aplati d'un côté et étiré de l'autre pour faire l'avant-fin. Ah oui! Oh, c'est un peu bizarre. Je suis pas sûr de voir complètement ce que tu veux. Si tu as un dessin et un lien, je veux bien. Je veux bien. Alors, qu'est-ce que ça dit? Fonctionnel supérieur à joli. Oui, on est d'accord. Enfin, pas tout le temps. Des fois, fonctionnel égale joli. Et dans ta logique, il faut faire la même chose qu'à l'arrière. Oui, bah, dans la logique, effectivement, il faudrait plutôt faire un truc comme ça pour qu'il puisse retomber. Le problème, c'est que faire ça, c'est aussi risquer que quelqu'un qui a un truc qui tourne, tu vois, vienne prendre le châssis par le dessus. D'un autre côté, faire ça et pouvoir après se redresser. Est-ce que c'est compliqué? Faut se redresser. Ouais, ça va pas être évident. C'est faisable, mais c'est pas forcément évident. Là, on a moins de chances de se prendre. Par expérience, on se prend beaucoup de coups sur les côtés. Et avoir une arête de châssis qui sort comme ça me semble plus handicapant que d'avoir ça et de pouvoir se relever par la suite. Je peux me tromper, hein. Mais j'ai l'impression que c'est moins handicapant d'avoir ça. De toute façon, il y a un nombre négatif. Et ben du coup, on peut le... De toute façon, on va le mettre en paramètre, ça. On va le mettre en paramètre. On va mettre angle latéral. Et dans ce cas-là, on pourra faire plusieurs essais et plusieurs châssis avec des angles rentrants et des angles sortants, à la limite. Ce serait pas mal, du coup. Oui. Ah non, je me suis planté. Alors voilà, c'est ça ce qu'il faut faire attention. C'est que là, voilà, il m'a créé un angle latéral en millimètres. Sauf que nous, on ne veut pas un angle latéral en millimètres. On veut un angle en degrés, s'il vous plaît. Merci. Trent. Ok, donc là, tout va bien. Tout va bien? Tout va bien. Un noteboat. Qu'est-ce qu'un noteboat? Dans ce cas, tu les mets sur le dos au démarrage. Tu le mets comme ça? Ah non, sur le... Comme ça? Ça peut être rigolo. Oh. J'ai réussi à Photoshop la photo d'un copain pour sa chaîne. Oh. Du coup, hey, ça c'est trop bien ça. Sauf qu'il me reprend pas le paramètre. Voilà. Donc soit on est d'accord, soit on est comme ça, du coup, soit en fait on va changer l'angle ici et on est comme ça. C'est très bizarre. C'est un design qui est très étrange. Le problème aussi de ce design, c'est que du coup, les roues elles sont très au centre. Et vraiment, on recentre les roues à fond. Attends, qu'est-ce que tu dis? Non, tu ne changes pas de sens au démarrage. Soit sur la tête, soit sur le ventre, en fonction du robot que tu as en face. Ah, d'accord, ok. Ah oui, ça peut être rigolo. Nodebot. Attends, je vais regarder ce que c'est Node. Ah oui, en Node. D'accord, ok. Je viens de comprendre pourquoi ça s'appelait Nodebot. Je suis un peu lent du bulbe.
J'ai même envie de voir ce que c'est. Notebot. JS Robotics, notebot.io. Ah, mais je crois que j'avais déjà vu ce genre de truc. Ok. Il y a une petite image, quoi. Oui, en fait, tu peux faire ce que tu veux, en vrai. Après. Ah, ok. Ok, ok. Rigolo. Et c'est pas trop le principe. Enfin, je crois que j'avais déjà vu passer ça. Ça, tu utilises un minimum ton âme pour te remettre dans le bon sens. Ah oui. Pourquoi pas, hein. Un cerveau plus un spark pour le wifi et c'est parti. Ça ressemble vachement à ce que fait Vigibot sur avec les Raspberry du coup. Un pilotage à distance. Enfin, c'est pas de la programmation mais pilotage à distance. Écoutez, je vais quand même repartir sur sur la première idée et pouvoir après réouvrir le l'arme. Ça me semble être un peu Il faut que ton arme fonctionne dans les deux sens. Non, je peux me repositionner, c'est-à-dire que si je suis à l'envers, il faut que mon arme, elle me lève jusque là, et puis après, par le poids, le robot bascule, en fait, et se remet dans le bon sens. En fait, c'est mon idée. Ok, donc on va rester là-dessus. Basiquement, là, j'ai plus grand-chose à faire sur le contour. Ce que je peux faire, par contre, c'est rajouter un petit chanfrein ici pour accentuer le basculement. Et ensuite, ce que je peux faire également, ça va pas être évident. Faudrait que je raffiche le sketch là. Mais la roue, elle est ici. Hein. Faut pas oublier ça. Hein. On va faire trop de conneries, hein. Ok. Ce qu'on peut faire aussi, c'est adoucir les bords de la même manière ici pour pouvoir après avoir quelque chose qui soit vraiment qui passe vraiment sous le robot adverse. Il y a l'idée. Je commence à bien aimer ce truc. 6. Au pire, tu peux faire la carcasse et les roues, tu montes dessus. Elle est bien pour une base, cette forme, je trouve. Bah ouais, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. C'est quoi ton Discord? Ah, attendez, je vais... sur mon Twitter. Faut regarder sur mon Twitter. Je l'ai pas tout de suite là, comme ça. Du coup, maintenant qu'on a fait ça, l'idée après, ce serait d'enregistrer. Tiens. Et on va l'appeler entrebourrien. Hop. Ce serait d'utiliser l'outil shell pour faire une coque. Voilà, l'intérieur. Et du coup, directement avoir la coque qui sera en impression 3D. Parce que ça, du coup, ça sera imprimé comme ça. En tout cas, c'est l'idée. Ok. Du coup, ça, c'est important, ça. Épaisseur coque. Ça va me permettre de définir Est-ce que tu vas lui mettre des feux de recul? J'ai pas beaucoup de poids, donc je suis pas sûr de pouvoir avoir le poids pour pouvoir mettre des feux de recul, mais pourquoi pas? Ça pourrait être rigolo. Galère à imprimer sans support. Oh, je pense pas. On peut faire un essai. Hein. Je vais mettre une épaisseur de 3 pour l'épaisseur de coque. Je pense que c'est trop. Mais plus fin, j'ai un peu peur. On va le sauvegarder. On va. Hop. On va tester. Hop. Je vais le mettre de manière très sévère sur mon bureau. On va voir, hein. On va voir ce que ça donne. On va ouvrir Cura. Discord de Barba pour ceux qui... Ah, merci Rosaline. Il y a bien des lumières tuning style néon sur celui de la Maker Faire. Ouais, putain, je suis vraiment... Franchement, en fait, je suis déçu de deux trucs. C'est que
Le robot de la Maker Fight, on n'a pas pu le faire combattre. J'ai fait, bon, bah, c'est pas grave, on ira à la Coupe de France de robotique avec. Boum, t'as le confinement, et du coup, tu fais, bah, du coup, est-ce que je vais pouvoir aller à la Coupe de France? Est-ce que je vais pouvoir utiliser ce putain de robot? Parce que peut-être l'année prochaine, eh ben, ce sera plus 20 kilos, ce sera 13 kilos, et je pourrai jamais l'utiliser, ce robot, et ça me dégoûte. Alors, je vais pas le faire sur la Multimaker, je vais faire sur la Nephestos. Du coup, on va ouvrir. Je cherche toujours mon bureau. Mon bureau. Il s'est pas mis dans le bureau? Ah bah non, il s'est pas mis dans le bureau. Très étrange ça. J'ai loupé un truc. C'est pas grave. Voilà. Là déjà, est-ce que ça rentre? Ça, c'est la vraie question. Sinon, ça veut dire qu'il faut que je change de bécane. Ah, ça rentre pas. Ça rentre pas. Ça rentre pas. Ça veut dire qu'il faut que je passe sur une AlphaWays. Voilà. Donc, on ne l'imprime pas dans ce sens-là, on est d'accord. On l'imprime. En tout cas, l'idée aurait été de l'imprimer comme ça. Quoique, après. Attendez, attendez, attendez. Il y a une autre solution. On peut l'imprimer comme ça. Oui. Qu'est-ce qu'il me fait, lui? Remonte. Ah oui, il trouve pas de solution dans ce sens-là. Pardon, petit logiciel. Oula, je galère, moi. Voilà. C'est bon, là tu veux bien. Merci. Ben, c'est génial ça. Ah, ben voilà, merci. Ok. Bon, ça se fait, hein, en vrai. Qu'est-ce que vous en pensez? La coupe de robotique est maintenue. Oui, décalée au 6 juin. 6 juillet, pardon, excusez-moi. Oui, excusez-moi, vous avez répondu avant. Sur le forum de Paris. Elle est belle ta pelle. Ah, bah écoute, c'est c'est vrai que comme ça on dirait vraiment une pelle. On va le slicer, voir un peu ce que ça donne. Déjà, on a l'impression 17h, parfait, 130 grammes. Pff, beaucoup trop lourd. Beaucoup trop lourd, beaucoup trop gros, beaucoup trop lourd. Je suis en 0,15, 0,2, c'est quoi mon remplissage? Ah, je suis à 20%. Ouais. Je vais le reslicer pour voir un peu ce qu'il fait. C'est pas même. C'est un soft de simu d'impression. Non, c'est un, bah, c'est un soft d'impression, c'est Cura. C'est un slicer. C'est lui qui génère en fait tes couches pour pouvoir après. Et ton G-code pour pouvoir l'envoyer à l'impression 3D après. Et du coup, il te fait une estimation de temps et de poids aussi un petit peu. 131 grammes, c'est marrant ça. C'est beaucoup plus que. Donc ça ne va pas. Donc 3, c'est trop. Ou alors c'est la taille qui est trop grande. En même temps, si je prends la dimension de là à là, j'ai 217 mm, c'est plus gros. C'est mon précédent robot. Donc c'est ça qui va pas. Donc ça veut dire que il faut que je revoie l'ensemble de mes tailles et que je le diminue encore. Et ben c'est parti. Le diamètre de la roue, on le fait passer à 45. La longueur, on fait passer à 150. Et ça, 150 aussi. Et tiens, on va peut-être même faire 140. Ok. Voilà, là on commence à avoir un robot qui est beaucoup plus petit. 20 cm. Pour moi, c'est encore trop grand. C'est encore trop grand. Tu sais, si les estimations de masse sont juste en fusion par rapport à l'impression 3D, genre de l'ABS comme matière physique, c'est pas fou, mais c'est étonnamment proche de la vérité. Après. Là, c'est fait avec du PLA, tu vois.
Je saurais pas te dire, ça serait intéressant de tester. Mais après, des fois, t'as des estimations qui sont bonnes quand tu restes en 0,4 mm, mais quand disons, tu prends une bûche de 0,8 mm, tout de suite, le logiciel, j'ai l'impression qu'il galère à faire le, tu sais, à faire le tracé du filament et à l'estimation du poids. Du coup, c'est pas forcément fou, mais bon, ça te donne une bonne estimation quand même, je trouve. C'est pas très loin de la vérité. Ça peut être dangereux de démonter une imprimante. Bah, si tu la démontes pas avec le courant, normalement ça va. On réessaye? Allez, on réessaye ça. Hop, voilà. Oui, je souhaite le remplacer. Et alors là, normalement, je crois que je dois avoir un truc qui est reload. Oui! Trop bien. Ah, il est tout petit. Enfin, il est plus petit. Pas tout petit, il est plus petit. 10 heures, 106 grammes. Eh, ça commence à devenir intéressant, là. Bon, du coup, au fait, ce robot, c'est pour participer à une rencontre. En fait, c'est pour tester et pour créer une rencontre. En gros, l'idée, ce serait de créer. On a déjà une compétition de gros robots de combat en France qui s'appelle Maker Fight, qui sont des robots de 20 kilos. Moi, j'aimerais en créer une et un règlement qui puisse être utilisé dans les Fab Labs et qui utilise des robots de 150 grammes, en fait. Voilà. Donc, du coup, c'est pour créer un règlement. Et avant de créer des règlements, en général, je préfère tester les robots pour voir ce que ça donne, pour pas rendre les choses trop impossibles pour les gens, en fait. Faut encore le faire maigrir. Un peu comme le sumo bot. Ouais, sauf que t'as le droit de détruire l'autre. Faut encore le faire maigrir. Ouais, faut grave le faire maigrir parce qu'en fait, après j'ai une épaisseur de 3 mm. Est-ce qu'on passe à 2 mm? 2 mm, ça me semble fin quand même. 2,5. Ouais, essaye avec 2,5. On va réessayer. Reload. 103. Ouais, ça n'a pas changé grand-chose. Hein. Ouais, je pense que c'est vraiment la taille qu'il va falloir ajuster encore. Après, ça va être route 45 mm. Après. Je garderai des roues de 45 mm parce que plus petit, ça va vraiment faire trop petit. On va changer les tailles extérieures. On tâtonne. 140. C'est pas encore trop dégueulasse. Ce qu'il faut se dire qu'il va y avoir les moteurs, va y avoir la batterie, il va y avoir aussi d'autres pièces en impression 3D à l'intérieur, donc faut pas non plus se planter. Et du coup, c'est vrai que on se rend compte à quel point la contrainte de poids, elle est vraiment moins évidente que la contrainte de taille. La contrainte de taille, elle est très simple. Oups. La contrainte de taille, elle est très simple. Enfin, très simple. Elle est plus simple parce qu'elle est plus simple à valider et à vérifier sur des modèles de ce type-là, numérique. Les contraintes de poids, c'est toujours à l'estimation près. 93, là, ça me plaît plus. Allez, 93. Est-ce que maintenant je peux pas le faire passer dans mon imprimante de manière à plat? Comme ça. Bah non, il est con lui. Voilà. Mais. Enfin. Ben voilà. Là, est-ce que ce serait pas plus simple à imprimer? La grande question. 2 mm c'est fin, mais tu n'as pas autant de dégâts que ça. Ouais, et puis je me dis que tu peux en imprimer plusieurs des coques, tu vois, pour pouvoir avoir des pièces en plus, quoi, au cas où. Roxys, je sais plus si je t'ai dit bonjour, Roxys. Bonsoir, dans tous les cas. Ça pourrait permettre à plus de personnes de participer à ce genre de compétition en plus. Bah oui, voilà, en fait, c'est vraiment ça mon idée. C'est juste que quand t'as un robot qui est trop gros, tu mets beaucoup d'argent et c'est beaucoup plus compliqué à utiliser et à fabriquer. Parce que de toute façon, faut se dire un truc, c'est que au-dessus de 150 grammes, quand tu passes à 450 ou 500 grammes, ou 800 grammes, ou 1,3 kg sur les autres phases,
T'es quasiment obligé de faire du fraisage parce que l'impression 3D c'est trop limite. Du coup, d'avoir des outils un petit peu plus poussés, d'utiliser du métal. Donc, du coup, tout de suite, le délire est plus le même, j'ai l'impression, et tu laisses des gens sur la route. Là, avec ça, quasiment tout le monde a des imprimantes 3D aujourd'hui, donc ça peut être vraiment intéressant, quoi. C'est pour aller. Je vais aussi tenter l'expérience. Ah, cool! Bon, comme ça, en fait, le problème, c'est qu'on a un porte-à-faux ici qui va pas être évident à gérer, mais qui se fait quand même. Ouah, ça se fait. En long comme ça, y a pas grand-chose. Donc ça peut se faire à la limite. Ça peut se faire. Ok. On va revenir sur Fusion. Alors, on va ouvrir. Ça peut s'ouvrir même aux débutants, du coup, vachement cool. Bah oui, carrément, ouais. Carrément. Alors, maintenant, c'est le moment. Pas si rigolo que ça. Où il va quand même falloir qu'on mette des moteurs sur ce truc. La question c'est comment je fais pour mettre des moteurs là-dessus. Ah ouais, c'est pas mal une imprimante 3D quand même. Enfin, ça coûte même plus tellement cher maintenant. Je peux peut-être créer un plan. Parce que là, vous voyez, j'aimerais bien créer un plan à peu près qui passe par ce point-là. Ici, au centre de tout ce design. Et puis voir un petit peu comment on peut les assembler. C'est que les mini sumo ont un poids max de 1 kg. Ah bon? 1 kilo? C'est énorme. Ah, je pensais qu'ils étaient limités genre à 400 grammes, juste comme ça. Un kilo, c'est énorme. C'est énorme. C'est même plus. Enfin. Ouais, c'est plus gros, c'est plus lourd. C'est plus lourd que ça. Après, les robots sumo, ils sont autonomes, du coup, sachant qu'il n'y a quasiment pas de carcasse. Ouais, mais en autonome, je pense que tu dois galérer un peu plus à tenir tes contraintes de poids. Est-ce que je peux. Alors là, je vais me reconcentrer. Il faut que j'arrive à trouver plein de longues passes. Non, c'est pas ça qu'on veut. So, 3 points. Non plus. Ah. Est-ce que j'ai 3 points? J'ai 1, 2. 3 points. Ça marcherait, ça? 1, 2, 3. Est-ce que ça, c'est bon, ça? C'est dégueu. C'est pas très beau. C'est pas très beau. On va pas se le cacher. C'est pas très beau, mais c'est bon. Ah non! Je suis bête. On va pas faire un 3 points comme ça. On va faire un 3 points. C'est pour ceux qui aiment les batteries au plomb. Très bête. Voilà, on va faire un 3 points comme ça. Yes! Oh là là, c'est dur ce soir. La CAO, c'est difficile. Hop! Ok, donc là j'ai mon. C'est quoi ça? Alors déjà, cachez-moi ce halo que je ne voudrais pas voir. Voilà. Oh, merci. Ok, c'est ce point-là que je veux avoir. Ok, c'est celui-ci. Celui-ci, c'est le centre de mes roues. Il va falloir que je le projette. Ah non, mais attendez, qu'est-ce qu'il me fait, lui? Il projette ça, moi. Je veux pas ça, moi. C'est ça que je veux projeter, moi. Ah, voilà. Non. Il me l'a sélectionné. J'arrive pas à voir s'il me l'a sélectionné. Ah, voilà, c'est bon, il me l'a sélectionné. Ouf! Voilà.
On va créer un axe comme ça. Tu vas atteindre le poids d'un smartphone. Pourquoi ne pas arrondir les arêtes? J'aime pas trop. Là, c'est vraiment un truc purement personnel. Je préfère les chanfreins. J'ai du mal avec les congés. Je suis pas très congé. Mais ouais, pourquoi pas, effectivement. Non, 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 c'est vraiment très personnel. Ça, c'est notre limite. Alors, voilà. Hop. Voilà, ça, c'est notre limite intérieure. Les roues, elles peuvent pas aller à plus que ça. On va modéliser une roue. Et tiens, il va falloir qu'on définisse l'épaisseur de notre roue. C'est important, ça. Épaisseur, roue. J'étais sur des roues de 25 mm. Je pense qu'on va passer sur des roues de 20 mm vu qu'on a diminué un petit peu la taille du robot. Et on va créer, voilà, une image de notre roue pour notre construction. Donc ça va être le diamètre de la roue. Et ça va être l'épaisseur de la roue. Et 20 mm, c'est quand même pas si mal, hein. Ça fait une belle roue, hein, pour notre design. Et du coup, on va être collé à cette ligne. Alors, est-ce qu'on colle à la limite? Je vais laisser un petit jeu. Comme ça me permettra quand même de l'ajuster par la suite. Même si c'est que 2 mm, c'est pas trop mal. Donc déjà, j'ai ça. Ce qui est intéressant, c'est que ça, je pourrais la réutiliser, le projeter pour pouvoir faire l'ouverture des roues sur le. Ah, quoi que je pourrais pas le faire comme ça. Dans l'ouverture des roues, on le fera autrement. D'accord, hein, je pensais que c'était un truc réfléchi technique. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Après, il y a quand même quelque chose, c'est que comme c'est sur l'impression 3D, les arêtes. En fait, quand tu fais de l'impression 3D, tu convertis ton modèle et c'est des surfaces en fait. Et du coup, quand tu fais, est-ce qu'on peut le voir là? Juste que te montrer. Quand tu fais une surface comme ça droite, c'est un seul et même plan, c'est des plans. Et donc du coup, le modèle déjà est beaucoup plus léger. Il y a beaucoup moins de points, tu peux le simplifier beaucoup plus, et l'impression 3D elle se passe mieux en fait. Parce que si jamais tu as un arrondi, en fait lui il va faire plein de petites facettes pour essayer comment dire, de se projeter au plus sur l'arrondi. Le problème c'est qu'en se projetant au plus sur l'arrondi, bah, il va estimer, et donc du coup au niveau de l'impression, en fait lui il va essayer aussi d'être au plus proche de tes points, et donc du coup tout ça va rendre l'impression un peu moins propre. Voilà, ça c'est la théorie. Si je te fais, on va comprendre tout de suite, hein, si je fais un cylindre, par exemple, que je l'agrandis, voilà, que ça, je dis que je veux l'imprimer, par exemple, voilà. Voilà ce qu'il fait. Tu vois, au niveau du mesh. Et donc, du coup, si tu descends en résolution, eh ben, en fait, de là à là, mince, du coup, forcément. Oula, j'ai double-cliqué un peu vite. Donc d'un point à un point B, en fait, du coup, il va tracer il va tirer un trait plutôt que d'avoir un arc de cercle. Voilà, donc tu seras moins précis et moins proche de ce que tu veux, et ton imprimante aussi, elle va faire des à-coups, et ton impression sera moins rapide aussi. Tu auras des fichiers qui sont plus lourds. Enfin voilà, il y a plein de problèmes liés à ça, en fait. Du coup, je préfère limiter les arrondis, si je peux. Après, je chipote. Mais non, moi, je veux pas. Je m'en fous de ça. Il y a moyen de faire un événement Discord? Ah oui. Donc, aussi, plus de risque de foirer ton impression. Foirer, non, mais d'avoir une impression qui ne sont pas de très bonne qualité. Mais ça, c'est vraiment, vraiment purement personnel. Maintenant. Eh ben, maintenant, c'est bon. On peut faire notre petit support de. Alors, par contre, en construction. Petit support de moteur. Alors, notre support de moteur, qu'est-ce qu'il va avoir comme taille? Il faut qu'on récupère notre modèle de moteur. Il fait combien en largeur? Il fait 12. D'accord. Très bien. On va se dire 12 plus 2 fois. Et on va se laisser combien sur les côtés pour pouvoir mettre nos vis? Combien j'avais mis là?
Oh, j'avais mis un truc. Alors, oh, c'était beaucoup. Allez, 2 x 8 mm. Voilà. Alors pourquoi je le note? Parce qu'en fait, quand je double-clique après dedans, je retrouve ce que j'ai utilisé pour calculer, en fait. Plutôt que de le calculer et puis de le mettre, au moins je sais, je me souviens après de comment est-ce que je l'ai réfléchi. Et après, on n'est pas obligé de prendre l'ensemble du moteur en tenaille. On peut en prendre qu'une seule partie. Au minimum, on va en prendre la moitié. Donc on va regarder avec quelle longueur il fait notre moteur. Il fait 23, et ben on va prendre sur 11,5. Voilà. Ça fait quoi? Ouais. Qu'on va limiter 11. J'aime pas 11 et demi. 12. Allez, 12. Voilà. Du coup, maintenant, on a ça. On va pouvoir l'extruder jusqu'à tout object non distance star. Tout object. Oui, c'est ça. Jusqu'à cet objet-là. Et voilà. Du coup, on a notre support de notre moteur. Et on est content. Voilà. On va pouvoir reprendre cette surface-là. Et on va pouvoir alors faire une projection de ce truc. Non, on n'a pas besoin. On va créer voilà, une ligne de ce côté-là, une ligne de ce côté-là. Non, j'ai fait une bêtise. En fait, il faut que je crée l'empreinte de mon moteur. Donc, ce que je vais faire, c'est plutôt que je vais créer une ligne centrée ici et que je vais recréer mon moteur avec un rectangle point au centre. Voilà, ça sera beaucoup plus simple. Et comme j'ai une mémoire de poisson rouge, j'ai un doute. C'est bien 20, hein? C'est bien 12. C'est ça, 12. On va se laisser un petit. Un petit peu de marge pour qu'il puisse flotter un petit peu, histoire de l'ajuster. Voilà. Du coup, bah ça c'est nickel ça. Et maintenant, ça, je vais pouvoir creuser dedans pour pouvoir avoir l'empreinte de mon moteur. Merci de me suivre, Farlam 1990. Oula, ouais, attendez. J'aime les congés. Pour utiliser Slicer intégrationnel qui, du coup, passe pas par STL. J'ai pas encore trop testé ça. J'ai pas encore trop testé. J'ai vite fait regarder, j'ai vu que c'était ultra puissant, mais qu'il fallait que je m'y plonge un petit peu. Donc du coup, c'est vrai que je suis resté un peu sur Cura, mais ça m'intéresse énormément. Ouais, du coup, effectivement, je sais pas si ça a été dit ou demandé, mais le fait qu'il soit un peu plus petit léger, oh saison, il va être plus rapide. Donc niveau contrôle, ça se passe comment? De souvenir, la version originale était déjà bien rapide. En plus, ça a déjà été dit. Désolé. En fait, les roues seront plus petites. Donc il sera un peu moins rapide. Après, je vais changer peut-être les moteurs, j'en sais rien par la suite. Et aussi en termes de contrôle, j'avais fait un live là-dessus. C'est que sur cette version-là, on avait testé un gyroscope que j'ai intégré dans mon gros robot, en fait, celui de la Maker Faite, celui des Caribous. Et ça permettait quand même de stabiliser énormément le robot. Et j'aimerais bien trouver un micro-gyroscope pas trop cher qu'on puisse mettre dans ces robots-là. Le problème, en fait, c'est que. Je sais pas si ça vient de la. Je pense que ça vient de la télécommande. Mais la télécommande que j'ai, qui est une télécommande très très cheapos pour ce petit robot-là, j'en ai une autre beaucoup plus onéreuse et beaucoup plus précise pour mon autre robot. Mais cette télécommande-là, qui est un peu cheap, elle a du retard dans la commande. Et du coup, ça rend le truc un petit peu compliqué à piloter. Mais en rajoutant le gyroscope, ça corrige énormément de choses. Et donc, du coup, j'aimerais bien rajouter un gyroscope aussi dedans. Donc, oui, effectivement, c'est un des problèmes de ces robots-là, c'est que c'est à piloter, c'est un peu c'est un peu infâme, quoi. Mais on va trouver une solution, hein. Je m'en fais pas. du coup, maintenant qu'on a ça, eh ben, on va pouvoir l'extruder. J'ai toujours. Alors, par contre, on n'avait pas pris l'épaisseur du moteur. 10 mm, écoute. Je vais mettre ma batterie de l'autre côté. Ah non, je peux pas faire ça. Ah, d'accord, ok, t'as décidé que. Voilà. Moins 5, nickel. Ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va mettre. Non.
On va se mettre deux chanfreins. T'as utilisé un peu le slicer de fusion, toi, Julien, du coup, parce que ça m'intéresse tes retours là-dessus. 0,5. Voilà. Est-ce que je peux réussir à choper... Voilà, choper ça ici. Alors, ce que je suis en train de faire là, c'est que je rajoute toujours des chanfreins. L'idée étant de pouvoir pas avoir quelque chose de droit et pouvoir avoir un pied en fait sur mon impression et d'augmenter sa résistance à ce niveau-là. Ok. Bon, bah là, c'est pas mal. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher l'origine et on va pouvoir faire une symétrie de ça. Quoique, non, attendez, j'ai pas fini. Je vais finir complètement avant de faire une symétrie. Parce qu'il faut que là, je puisse faire des trous. J'ai été un petit peu trop vite dans mes chanfreins. Je vais revenir en arrière. On va créer. Voilà. Voilà. Ouais, là, je vais créer des perçages qui vont me permettre Ah, faut que je projette ça. Qui vont me permettre d'avoir des vis sur cette partie-là de la pièce pour serrer le moteur au support. Donc je vais avoir une contre-pièce qui va venir serrer le moteur avec des vis à plastique. Toutes simples. Les vis à plastique, c'est des vis qui ressemblent à ça. Voilà. Qui ont une tête en pointe. Voilà. Et l'idée, c'est que ça permet de se visser dans du plastique. Visser, dévisser, ça fonctionne très bien. Ça évite d'avoir à mettre un écrou, en fait. Du coup, ça allège un peu les systèmes. Et pour ce qu'on fait, on n'a pas quelque chose qui va être souvent démonté, donc tant qu'à faire. Alors, par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre... Les diamètres que j'avais utilisés, ça fonctionnait bien. Donc j'avais un diamètre de 2,55. 2,50 pour une vis de 3, donc nickel. Je vais utiliser l'outil trou. Voilà. 2,5. Merci beaucoup. C'est pas ce que je voulais faire. 2,5. Voilà. Et maintenant, je vais aller jusqu'au bout. Nickel. Bah, du coup, c'est mes supports moteurs. Ça évite aussi les inserts à chaud. Ouais, ça évite plein de trucs, c'est pas mal. Et franchement, c'est très très. Comment dire? C'est très très simple à mettre. Et ça se dévisse et ça se revisse vraiment simplement. Faut pas forcer, justement. C'est pas le but, mais ça tient très très bien. Tu as une référence? J'ai pas véritablement de référence. Moi, j'avais acheté ça. Je crois que j'avais eu ça sur Amazon. Là, j'avais acheté une boîte comme ça. J'en avais besoin de plein et plein de références pour essayer. Et du coup, je m'étais acheté une petite boîte comme ça. Voilà. Donc, ouais, t'en trouves plein. C'est pas très cher. Ça fonctionne vraiment bien. J'en suis très content. En fait, je suis même tellement content que je vais peut-être en mettre plus souvent en fait, dans mes robots parce que j'étais souvent vis-écrou, vis-écrou, vis-écrou. Et en fait, ça sert pas à grand-chose. Non. Accepter ma demande Discord. Il n'y a pas besoin, c'est accepté directement. Ça évite aussi les inserts à chaud, j'ai déjà pas encore testé mon imprimante SNM et démonté dans un coin. Ouille. Par contre, j'ai vu 2-3 tests sur le net, Thomas, premier prix de nerd. C'était premier terme, mais pas encore à 100% au point. C'est compliqué, franchement, les paramètres, faut... Si tu es utilisateur de Cura, faut se dire que c'est comme si tu avais Cura ouvert avec tous les paramètres cochés. Donc t'es genre ça t'envoie plein de paramètres dans la tête et tu fais wow, par où je commence et du coup c'est y a pas de prise en main tu vois ouais c'est pas ça te prend pas par la main quoi je veux dire c'est vraiment basique tiens on peut faire tout ça bon débrouille-toi avec ça et du coup moi je fais ok alors il va me falloir 2 heures mais ça a l'air bien ça a l'air bien on utilise presque que des vis pour plastique sur nos robots ah ouais ah, je pensais pas que vous étiez à 100% vis plastique du coup faut que je regarde sur Amazon pas mal la boîte je crois que c'est Amazon hein. Oui si ça doit être Amazon parce que je l'avais eu très très vite après tu peux en trouver beaucoup moins cher parce que moi j'avais besoin de plusieurs pour tester tu vois si tu achètes à la vis tu peux acheter chez un détaillant en fait du coup pas besoin de passer forcément par Amazon. Clac. Donc normalement,
Ça me rassure, Romain, que vous utilisiez ça comme ça. Ça me fait dire que finalement, c'est pas un si mauvais choix. Et je crois que Alf, il fait ça aussi beaucoup. Yes. Oh, pour une fois que ma symétrie sur un truc comme ça se passe bien. Sauvegarder, sauvegarder. On va aller intégrer le moteur. On va voir un peu ce que ça donne. Oui. Oula, non. Ok. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est que là, on va activer, voilà, les couleurs automatiques. Ça me permet d'y voir un peu plus. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Ah, il m'a mis le N20 dans le châssis. C'est pas ce que je voulais faire. C'est parce que je suis dans l'édition du châssis. Oups, erreur. Insert. Au fait, tu peux me remontrer comment on fait pour avoir des vis sur fusion. Alors, les vis sur fusion, il y a plusieurs manières de faire maintenant. C'est assez simple. On peut utiliser l'outil MacMaster. C'est. Alors, tu vas dans Solid Insert MacMaster. Et ça va être là-dedans, tu choisis ce que tu as besoin et comme ça tu peux l'importer. Et maintenant, tu as aussi l'autre truc que j'utilise moins. C'est. Qu'est-ce que c'est que ça? Update with change to the origin. Ouh, faut que je regarde ça. Il y a Part4CAD aussi qui existe et qui peut aussi fonctionner. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est? Insert dérive. Insert design element such as component bodies, sketchwork, flat pattern, parameter from another design. C'est trop bien ça! C'est nouveau ça! Insert element will. Update with change to the origin. Mais c'est terrible ça! Donc, il va falloir que je check ça. Il y a un Argentin. Hi from Argentina. Oh! Bah, welcome! Welcome to my stream! Je vais pas faire tout le stream en anglais, mais ok, c'est cool. Insert dérive, tu peux importer des pièces d'un design dans un autre design. C'est génial, ça fait longtemps que ça existe, parce que moi je l'attendais pour faire des vis, de la visserie justement, ou des pièces un peu custom. C'est trop cool ça. Après, c'est pas super clair quelle est la méthode recommandée par Autodesk. Ah oui, mais ça, on a déjà discuté, hein. C'est vraiment le problème sur Fusion, c'est que des fois, il y a des trucs que tu fais, tu te dis que ça semble logique, et en vrai, en fait, c'est pas du tout logique. Ok, donc là, j'ai mes deux moteurs. Merci. J'ai mes deux moteurs qui sont là. C'est marrant parce que je fais un design qui est très léger. Et du coup, ça me fait bizarre parce que j'aurais jamais fait ça normalement. J'aurais fait des supports en dessous. T'sais. Là, j'essaye de voir si je peux pas faire un truc le plus léger possible. On va le sauvegarder. On va essayer de le réintégrer, voir sur l'impression 3D ce que ça donne. Là, je suis obligé de l'imprimer dans ce sens-là. Dans tous les cas, j'aurais pas le choix. Ça va être nécessaire. Oh, en lot. Est-ce que ça fait quelque chose de moche? Oh non, ça va. C'est plutôt propre. On va faire OK. Et oui, typiquement, j'affiche avec des mock-up pour tous mes roulements. Mais c'est trop bien. Mais franchement, c'est ce qui nous manquait avec un pote. Parce qu'on se disait, ah, sous SolidWorks, c'est bien. Parce que t'as justement ces trucs générés. Et tu te dis, bah, pour faire une catégorie de pièces, ça serait vraiment cool. Et, ah merde, j'ai fait une connerie. Ah, c'est bon. Et là, ça arrive. Ah, c'est trop bien. Ça, c'est trop bien. Je suis content. Je vais regarder ça demain. Toujours la sortie de Fusion sur Linux. Ouais, bah, je pense qu'on pourra attendre longtemps. Eh, hey, 99 grammes! C'est pas mal! On n'est pas trop mal! On n'est pas trop mal! On a quand même un design qui est très léger, mais on n'est pas trop mal. Parce que là, basiquement, on a nos moteurs qui sont mis. Ah, il y a les roues quand même. Hein. Les roues, elles vont être lourdes. Hein. Ouais. Les roues vont être lourdes. Je viens de me rendre compte d'un truc là. C'est qu'il faut qu'ici que je sorte ma roue. Du coup,
Il faut pas que je fasse un... Voilà. Sinon, je vais avoir un problème pour faire mon ouverture de roue. Bah écoutez, là, je peux peut-être commencer à faire justement à ouvrir pour la roue. Parce que de toute façon, on est bon. Je vais faire un truc. Je vais me remettre dans le châssis et j'ai créé un plan ici. Le plan s'est caché, donc je vais le réactiver. Et surtout, je vais activer mon premier sketch que j'avais fait puisque j'avais la forme de la roue. Donc je vais hop, recréer un sketch dessus. 50 grammes par moteur pour moteur et batterie. Non, 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 non. 50 grammes pour moteur, batterie, élec et roue. Et du coup, c'est ça le problème. C'est plutôt la roue, tu vois. Pour toute l'électronique, les moteurs, l'arme, les roues, le capot du dessus, large. Il y a 160 vues sur le live. Ouais, c'est de global depuis le début en fait. Et tu comptes pas le capot que tu vas lui mettre dessus. Et je compte pas le capot que je vais mettre dessus. Ouais, ça va être. Ça va être chaud, les amis. C'est intéressant comme truc, je trouve. Voilà, du coup, là, normalement, si je fais. Ça, j'ai mon ouverture pour les roues. Alors, elle va être trop grande, mais c'est pas grave, je l'ajusterai par la suite. Alors, pas en distance, mais. Oh là. Ah! Oh, il veut pas? Direction. Bah, distance alors. Pourquoi il veut pas tout all? Tout object alors? Ok, tout object, tu veux bien. D'accord, ok, je ne te dérange pas plus. Fusion, tu as tes problèmes, j'ai les miens. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Hop. Voilà. Ah, on a gagné au moins 20 grammes là. puis il va y avoir la sortie pour la roue. Allez, j'aime pas avoir des angles vifs. Hop. Alors là, je vais vraiment faire un chanfrein, mais très très léger. Ça va, voilà, 0,5 mm, c'est vraiment pour éviter d'avoir quelque chose de vif à l'impression 3D. Ok, on est. Mon Dieu. On est pas mal. Ah, il commence à ressembler à quelque chose. Hein? Il commence à ressembler à quelque chose, le petit. Allez, zou. On retente. Ah mince! On retente, mais on reclique quand même sur Hand V1, sinon on va devoir replacer le fichier dans Cura et j'ai pas envie. Reload. Alors on est à combien là? Passe en FD... régime, ouais. Passe en FDM Carbon, mon Dieu. Petite CAO pour mes apps, c'est mon cahier, lol. Lui, il gère Fusion, mais bien. Tu vas pouvoir rajouter des gadgets dessus, ouais, j'ai trop de place. 95 grammes, on a gagné 4 grammes. C'est chaud. C'est vraiment chaud. En vrai, 2 LED pour le côté tuning, c'est pas si lourd. Tu rajoutes une poignée à ta pelle. Ah ouais, le fossoyeur de robot. Des flammes sur les côtés. Je suis vraiment pas, clairement pas sûr pour ce truc-là. L'arrière que j'ai fait avec ça, là. Ce petit truc-là. Je pense que je vais le dégager. Qu'est-ce que vous en dites? Déjà parce que je pense que ça va être chiant à imprimer. Ouais, vas-y, je me dégage. Hey! Qu'est-ce qu'il m'a fait, lui? Refaire. Où est-ce que c'était? Ah, c'était ça. Je vais le limiter, en fait. Je vais le limiter à 2. Ouais, voilà. Les gars sont contents que le châssis perde du poids comme si c'était. C'est clair. Ah, tu sais, le confinement, tout ça, on n'a plus vraiment le temps de faire du sport. Hein. Donc, tu fais un robot balayette avec un cerveau et une brosse à dents, et tu embarques les autres dans ton châssis. Oh! Et je sais pas si t'étais là, Julien, au tout début, et j'ai montré ce robot-là qui me faisait bien marrer. Qui est un robot vibreur en fait, c'est Alf qui m'a fait remarquer. Ces deux moteurs brushless qui font tourner ces deux bagues-là en alu. Et c'est un robot, c'est un 150 grammes. Et je trouve ça tellement drôle. J'ai trop envie de le faire. Ça a l'air trop drôle. Ah, mais attendez, il y a une.
Il y a une vidéo, j'avais pas vu que c'était une vidéo. Ça va finir en Pimp My Robot. Regardez-moi ça, c'est tout petit. Attendez, attendez, attendez. Stop, 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 stop. Non, mais notre robot, il est beaucoup trop gros en fait. Il est beaucoup trop grand. On va le réduire. Quand je vois la taille des robots 150 grammes, on est vraiment trop grand. Il est trop mimi. Ah, mais c'est trop bien! Regardez ça! Regardez un peu la taille des arènes. En fait, c'est ça qui est cool, c'est que l'arène, elle est vraiment petite. Et vous pouvez vraiment faire des petites arènes. Et en plus, on peut faire des arènes avec des pièges à l'intérieur. Donc, ça veut dire que ça peut être un projet aussi du Fab Lab de faire l'arène avec des pièges automatisés. C'est trop bien! Bah, j'irai après, peut-être. Trop mignon. Ouais, le robot, il fait quoi? Environ 10 cm. Mais bah, ouais, car... même pas, hein. Franchement, ouais, il doit faire 8 cm, quelque chose comme ça. Enfin, c'est vraiment. Je vais faire plein de petites arènes, genre. Même faire des arènes séparées, tu vas faire. Oh, mais on peut faire vraiment des trucs de ouf, comme on n'est pas vraiment bloqué par la taille. Putain, c'est trop drôle. Hein. Il n'est pas très rapide, par contre. Mais ça doit être très destructeur. Ah, il est très très drôle. Oh là là. Il y a la marque. Par contre, il fait mal, ouais, grave. Ouais, mais tu vois, il peut se faire bien mal aussi. C'est un peu le défaut de ces robots-là, c'est qu'ils peuvent faire mal, mais ils peuvent aussi s'autodétruire, en fait. C'est souvent ça le souci. Je trouve ça très très mignon, hein, quand même. Il y a d'autres photos là après. Ouais, non, il était très petit, hein. Mettons qu'il a la même taille de main que moi. Ah ouais, c'est 10 cm quand même, si t'avais raison. T'as raison. Même 10 cm. Hein. 10 cm, le note fait. Pour comparer, hein. Il fait 20, il fait le double. Il fait 20 cm, c'est trop gros. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à descendre. C'est qu'en fait, c'est beaucoup plus petit que ça, le robot. Ils sont beaucoup plus petits, en fait, les robots de 150 grammes. C'est la taille des mini Fubo, ouais. Tu peux le réduire, en fait. Il a deux hélices, c'est fait. Ouais, c'est clair. Ouais, ces petits robots-là. Mais tu sais quoi, moi j'ai bien envie de le ramener. De toute façon, c'est sûr, ça sera ramené à la coupe. Mais du coup, si t'en fais un, on se fait un petit combat de rue à la Coupe de France. Ah oui, mais non, mais vous n'êtes pas sûr d'y aller, vous. Je sais plus ce que vous aviez répondu. Bon, ou cette année ou l'année prochaine. De toute façon, c'est pas. Ah là là, ouais, il est trop grand, le nôtre. Il est beaucoup trop grand. Attendez, on va faire un truc. C'est que ça existe des robots, voilà, sur Thingiverse. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un STL, on va voir, on va dire, bah voilà, peut-être pas celui-là, parce que, mais genre celui-ci. Est-ce qu'il y a un châssis? Voilà, il y a un châssis là. On va. Je suis comme une poule devant un couteau. Signifile. Ok, c'est bon. Download. Dans les images. Ouais, dans les téléchargements peut-être. Oh, allez, sur le bureau comme ça. Ça me changera pas, je le supprimerai ce soir. On va réouvrir un nouveau Cura parce que j'ai vraiment pas envie de repositionner ce truc-là. Le truc, tu lui pousses contre le mort vu qu'il est pas super marrant, tu le laisses se détruire tout seul. C'est clair. Ah oui, clairement, si on peut. Ah! Oui! J'ai un participant! open file. Open file. Oula. Firestorm Lower. Mon Dieu, mais regardez ça! Il est trop gros, le nôtre. Juste pour comparer. Hein. Voilà. Voilà. Voilà, donc là, il y a clairement, on a clairement vu trop gros. Tu appelles Fatbot. Ouais, mais du coup, s'il passe pas dans les 150 grammes, il est mini, mais ouais, mais en fait, je pense que c'est ça, c'est 10 cm. En gros, TSA, regarde, scroll, tu regardes, 100 par 100 par 25. Voilà, oups, pardon, excusez-moi. Si je prends celui-là, on est à 200 par 130 par 50. C'est abusé, quoi. La différence est de taille. Ah non, la différence de taille. Ah, ça, c'est con, mais ça aurait pu faire une belle blague. Donc, notre robot est beaucoup trop gros.
Donc, nous allons l'amincir, les effets du confinement. On va l'amincir de manière violente. Et c'est là où soit on se félicite d'avoir fait des paramètres et que ça fonctionne, soit on rage parce que les paramètres ne fonctionnent pas, parce qu'ils fonctionnent bien juste sur des dimensions autour de celles que tu avais imaginées. Le diamètre de la roue. Alors on va d'abord changer. On va le faire dans le bon sens. On va d'abord changer l'épaisseur de la roue. Voilà. L'épaisseur de la coque, on va la passer à 2 mm. Voilà. La largeur du robot, on va la passer à 100 mm. Oh, il est tout petit maintenant. Eh, remarquez, il n'est pas trop mal comme ça. Sachant que 100 mm, ce n'est pas la largeur du robot, c'est la largeur. Oui, c'est la largeur haute du robot. Et là maintenant, on change la taille des roues et on remet des roues de 30 mm. Ah non, ça c'est dégueulasse. 40 mm. Ok. Ok, là on est pas mal là. On peut faire des roues un peu plus larges. Ça, j'ai encore la place. 12. Ouais. Bah écoutez, on va tester comme ça. On a eu de la chance, les paramètres sont bien passés parce que des fois, il y a quand même des trucs assez ouf qui se passent. Enlever un. Mode Slim Fast. Régime intense. Les moteurs vont faire à Miami. Ah oui, là, ils vont faire. Coucou, c'est moi. En vrai, je pourrais encore. Comment c'est foutu? Je pourrais encore réduire. C'est juste que les fils seront un peu pliés. Mais bon. Alors maintenant, vous êtes prêts? Attention. Ah, je m'attendais à. Ah oui, mais j'ai pas modifié la longueur. Ah, mais là, c'est pareil. Je suis encore trop grand. 141. J'ai 40, 40 mm de plus que eux, quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire là? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je sais ce qu'on peut faire. C'est que là, on s'est dit que les roues, elles étaient jusque-là. Mais en vrai, on peut les faire passer de l'autre côté. C'est chaud pour que tous les compos rentrent dedans. Bah, heureusement qu'il n'y en a pas beaucoup, hein, je vais te dire. Sinon, tu mets tes moteurs en V et tu pourras les coller. Moteur V2. On va travailler ce sketch-là. On s'était mis une limite de 2 mm là, mais en fait, en vrai, on peut le faire aussi dans l'autre sens. Merci. Si on travaille comme ça. Ouais, on peut gratter un peu. Pour retomber sur des tailles à peu près cohérentes. Du coup, là, on peut passer à 80 et passer ici à 100. Ah, là, ça commence à faire bizarre là. Oh, il est là, il est mignon. Là, il est tout kiki, mais là, ça va pas. Là, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. 90. 90, ça va encore. Et maintenant, les roues. Là, maintenant, les roues, on peut les descendre un peu. Yes. Ah, j'adore le paramétrique quand ça marche. Quand ça marche. Réduit très peu, comme ça va les surprendre et tu vas les faire voler les autres. Il est beaucoup trop haut. Ouais, je pense que 35, c'était pas trop mal. J'ai hâte de voir où tu vas mettre les batteries. Je pense que, tu sais quoi? Je vais mettre ça là, puis je vais faire. Voilà, je vis ça vite fait, c'est bon. C'est bon, ça tient. En vrai, la batterie, elle peut se glisser là au scratch. Trop facile. Aucun respect. Alors, remarque, la batterie, on peut la. Tu veux qu'on voit à peu près la batterie où est-ce que. Ce qu'elle fait comme taille.
Ok, il va falloir que je change de batterie. Oh putain. C'est pas si chaud que ça. Ah mais j'ai mon arme là. Oh merde. Attendez, si. Si, on va pas se laisser avoir. Regardez. Regardez, c'est trop facile. Trop facile. Ça passe. Pas du tout. attends. Voilà, c'est bien là. Regarde. Là, qu'est-ce que ça dit? Ok. On va faire une vue en coupe. Ah, ça rentre un petit peu en contact avec les moteurs. C'est cette batterie-là, vraiment? J'ai un petit doute là d'un coup. Va faire partie de la carcasse. Plot twist, tu dois protéger ta batterie dans un sac ignifugé. Ça, c'est référence. Référence coupe. Ah ouais, mais la batterie, elle fait 9. Non, au plus haut, elle fait 10. La batterie que j'ai, elle est très grosse. Hein. Par rapport à ce que j'ai déjà vu dans les robots. 10 par 54, est-ce que c'est vraiment ça? Ah, j'ai peur que ce soit vraiment ça. Parce que j'avais deux types de batteries. Ah ouais, c'est ça. Ah, c'est ça. Ah ouais, c'est celle-là. Merde. Merde. Bon, on va pas y penser maintenant. On se dira qu'on trouvera une autre batterie. Ouah, allez, moi ça me bat. Non mais attendez, en vrai, parce qu'on essaie de faire un petit truc, mais peut-être que c'est pas nécessaire. J'en sais rien, moi. Tool. On devient. Ouais, alors. Regardons maintenant ce que ça fait. Reload. Ah, là, c'est plus proche de ce que j'ai vu, de ce que j'ai déjà vu. Mais. Slice. 46 grammes. C'est bien, on est passé de 110 grammes à 46. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Et si je regarde à côté, là. Ouais, ça paraît plus cohérent, hein. Ce qui est rigolo, c'est qu'on est encore plus gros que. Mais oui, ils ont fait quelque chose, une carlingue carrée. Le triangle, c'est vraiment chiant pour mettre des trucs, hein. Ça, je vous l'accorde. Et du coup, eux, qu'est-ce qu'ils foutent comme électronique dedans? Juste pour rigoler. Parce que là, la batterie. Attendez, elle est où la batterie là? Attendez, vous la voyez la batterie? Ah, c'est une nanotech ici. Elle est plus petite que le servomoteur. Donc il existe vraiment des toutes petites batteries. Donc en fait, ça va. Ça va. On n'est pas si à la ramasse que ça. Ok. On n'est pas si à la ramasse que ça. C'est juste que j'ai pas la bonne batterie en fait chez moi quoi. Donc je trouve des plus petites batteries. C'est du NIMH? Ah bah non, 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 là c'est vraiment du lipo là. Là t'es obligé là. Après tu as besoin de combien de temps de batterie? Hop, oh, je sais pas, un match ça va durer genre 2-4 minutes peut-être, grand max 3 minutes. Tu sais, un match de 3-4 minutes à la Maker Fight, ça peut aller jusqu'à 3 phases de 4 minutes. Et franchement, 4 minutes c'est long parce que des fois il se passe pas grand-chose donc. Non, je pense que là, c'est des trucs qui sont vraiment très très courts. Mais 2 ou 3, c'est un 20-32. Ouais, ah. Ouais. Ouais. Non, moi, je suis plus proche d'une lipo 2S. Il doit y avoir des trucs très très petits en 2S. Là, je suis à 450 mAh, c'est beaucoup trop par rapport à ce que j'ai besoin en fait. Allons voir un petit peu. Il a pas détaillé lui, par exemple, ce qu'il mettait dedans. Oui, les petites vidéos. Sont ce qu'on voit souvent. Ouais. Nanotech. C'est cette batterie-là qui utilise souvent. La nanotech. Et elle est à combien? Donc c'est une. Je vois 7 volts 4, mais je crois que c'est 180 mAh. Donc là, c'est vraiment petit, hein.
C'est vraiment petit. Donc je pense que c'est ça en fait. Il faut vraiment que je change ma batterie, que je passe sur des batteries de ce type-là, quoi. Oh tiens, il y a des gens qui ont fait des trucs. Waouh, c'est fin, hein. C'est très très fin. Des LED, ça fait des LED. C'est pas dangereux l'hypo si elle prend un coup. En fait, le principe c'est que oui, c'est possible, c'est dangereux si ça prend un coup. Mais ce qu'ils ont souvent, c'est des box, tu sais, en métal. Et du coup, si jamais il y a un problème, ils prennent la box et ils foutent au-dessus du robot. Du coup, ça bloque complètement le feu. Enfin, j'ai déjà vu ça. Donc, c'est très lourd, ça fait pouf. Et puis voilà, il se passe plus rien. Ce que tu peux pas faire sur un robot de la coupe, par exemple, qui est très compliqué. Donc voilà. Mais j'ai l'impression que c'est. Il n'y a pas tant de problèmes que ça pour tous les problèmes que j'ai vus. Sur des toutes petites batteries, c'est pas souvent un gros souci en fait. En fait, elle a tellement peu de C que le truc, il fait plus. Il descend d'un coup, t'as plus rien, t'as plus de cellules, et c'est fini, quoi, en fait. Là, ils ont même fait des petites. Tiens, regardez. Alors, on va essayer, regardez. La nanotech. Allons voir. Lipo Nanotech 180 2S. Qu'est-ce que j'ai marqué? Oui, ça coûte vraiment pas cher. Mon Dieu. Ah ouais, elles sont toutes kiki, hein. C'est vraiment minuscule. C'est vraiment minuscule. Yes. Bon bah voilà. Est-ce qu'on peut avoir une dimension chez Obi Kang? Oh non, lancer Obi King maintenant. Discontinued product. Ouais, trop bien, mais bon, je m'en fous. 36 par 10 par 25. D'accord. Ouais, elles sont pas si petites que ça. Ouais, si, quand même. Si, c'est vraiment petit. Ça change par rapport à la coupe, j'ai parcouru le règlement. C'est très ouvert, en gros, tu peux tout faire. Ouais, tu peux quasiment tout faire. Ouais. T'as quand même quelques petites restrictions, mais c'est vrai que c'est assez ouvert, quoi. Sinon, une batterie de drone, ça fonctionne. Bah, ouais, mais il faut vraiment une petite batterie de drone. En fait, c'est ça, hein. C'est vraiment ce genre de choses-là, quoi. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils en ont d'autres, quand même, en 2S. Alors, batterie, lipo. De toute façon, le but, c'est quand même d'avoir un truc. On s'en fout d'avoir une capacité de ouf. Ah oui, ils font ces batteries-là maintenant, c'est vrai, j'avais oublié ça. Number of cell 2. Les une cellule là, c'est trop rigolo ça. Et ça serait pas mal, hein. En avoir deux comme ça, pourquoi pas. Bon, ça existe. Ça existe et c'est tout petit. Il faut juste trouver la bonne. Putain, c'est vraiment pas cher. Excusez-moi. Pardon. Language. Nom de Zeus. C'est très peu onéreux. J'aime bien celle-là. 32, 35, 7. Ah, mais je suis déjà à 300 mAh et elle doit être gigantesque. Ah, pas sûr. Pas sûr, pas sûr. Ah si, 44, 12, 17. Ah oui, mais alors par contre, elle est fine. Et du coup, il y a peut-être moyen de la glisser quelque part. Genre, peut-être derrière, là. Après, j'ai plus l'impression que ça va se jouer avec. Genre, je vais avoir un gros circlip, je vais faire. Voûte! Puis fermer, et puis c'est tout. Bon, écoutez. On va pas se. Hein? Ça sert à rien de se faire un sang d'encre. Ça passera. On trouvera, on fera en sorte que ça passe. Bah écoutez, vu l'heure, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On continuera bah, la semaine prochaine. Moi, ça me semble être un projet assez rigolo. Je vais peut-être continuer un petit peu cette semaine. Je posterai des news sur mon Twitter. Du coup, écoute. Oh.
Désolé, excusez-moi. Généralement, j'ai mes touches de clavier pour faire les trucs, mais c'est très rapide. Et je l'ai désactivé complètement, là, désolé. Bon, bah écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi ce live. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, là, sur @barbatronic, un peu partout, à me suivre sur Twitch. Je fais juste après, c'est pour ça que je coupe un peu le live un peu plus tôt. Je vais faire le découpage de ce live pour pouvoir le poster sur YouTube toute la semaine. Du coup, ça sera cool pour pouvoir le revoir par la suite. Je vais peut-être, ouais, effectivement, essayer un peu de continuer. Ce design-là, je trouve assez sympa. Quitte même à peut-être essayer d'en imprimer une version ou finir la construction la semaine prochaine. Bref, on verra bien. D'ici là, eh ben, je vous souhaite une excellente soirée. Et puis, ne sortez pas de chez vous, faites attention à vous, tout ça, tout ça. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Et puis, à très bientôt sur la chaîne Barbatronic. Salut à vous!